Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Salut le ouf du 14, bienvenue sur le live des vrais déglingos. Est-ce que vous êtes prêts à prendre un maximum de plaisir? Un petit coaching pour ces messieurs dames. Y a quoi au programme? Eh bien écoutez, attendez, j'arrive. Un peu fort ça, non? Yo. Je tiens à remercier pour le tuto de Jandel, c'est un petit point faible qui me bloquait en GC1, mais ça s'est soigné, gros merci. Bah écoute, GG mec. C'est vrai que pour le coup, c'est des aïeuls qui sont difficiles, hein, et qui sont bien à bosser à tous les niveaux. Coaching C1. Ah ouais, la vidéo avec Gaspo est sortie. Honnêtement, je suis un peu déçu. Le meilleur moment. Le meilleur moment. Vous savez quoi? Je vais vous le montrer. C'est de ce côté. Il y a un moment où il a pas pris mon POV. Je suis trop dégoûté. Regardez. Je l'ai enregistré la game. Je vous la montre. Je vous la montre, ok? Ah, il mettait un maximum de pouces bleus à Gaspo, évidemment. C'était cool de la faire. J'ai bien aimé. Tuto de lundi prochain. Power Shot. Level up évidemment, Code Razmeltor, tu connais. Je vous montre le but parce que je l'ai enregistré. Attendez. Replay. Il y en a qui ont essayé du level up ou pas? Récemment là, des nouveaux. Ouais, le format freestyle là. Attendez. Je crois que c'est celui-là. Je check. Je check, hein. Attendez, je vais vous mettre la scène correcte. C'est celui-là ou pas? Non, ça c'était le... Ça c'était le but, ok. Que j'ai trouvé très joli, hein. C'est un beau but en vrai. Mais c'est pas celui-là. Ah. Merde, bah il est où? Il doit être à côté. Hein. Je l'ai pas save. Je crois que je l'ai pas save du coup. Ah, c'est dommage. Freestyle Gaspo 2, il est où Freestyle Gaspo 1? Il serait pas là? Ça doit être ça. Et ouais, ça doit être ça à tous les coups. Mais oui, c'est ça. Oh, trop cool. Je crois que c'est celui-là. Et en fait, il l'a pas du tout bien mis en valeur, je trouve. Parce qu'en fait, je crois que c'est ça, j'espère que c'est ça. Ouais, ça vous plaît les tutos, je sais, j'aime bien aussi les faire, donc on se régale. Est-ce que c'était celui-là? Est-ce que c'était celui-ci? Là, je me loupe. Ouais, ça doit être ça. Regardez bien, là, j'ai pas beaucoup de boost. Il part, et en fait, je stall pour pincher. Ça c'est du freestyle ça. La mettre, c'est un eSwap Pro Controller de la marque Trustmaster qui sont mes partenaires. Et en fait, ce qui est bien dans ce stall, c'est qu'il est nécessaire. Là vous voyez, ce stall là, c'est un vrai stall obligé en fait. C'est-à-dire que si je stall pas, je marque pas. C'est pas un stall freestyle, pour le coup c'est presque un stall compétitif en fait. Bon. Et hop, là j'ai stall, ce qui m'a permis de prendre le pinch. Il l'a mis dans la vidéo, mais on voit pas trop mon pov avec le stall, je trouve. On m'entend dire, ah oh, le stall, mais... Mais voilà, bon, petit freestyle, évidemment, hein, on n'est pas freestyler. Hein. Ouais, c'est ça, vous m'entendez le dire, mais vous le voyez pas à l'image. C'est dommage, c'était peut-être le truc le plus stylé que j'ai fait de ce truc-là. Enfin bon, c'est pas une vidéo sur moi. Hein.
Mais voilà. Non, elle est bien sa vidéo. Ils sont bons ces montages. C'est un très bon monteur. C'était mon monteur avant Gaspo. Donc je le sais bien que c'est un bon monteur. Après, il est plus youtubeur lui, hein, pour le coup. Il passe vraiment du temps. Ouais, si tu. Ouais, j'ai cassé, ouais. Si je front flip, ouais, mais c'est. Différent. Il y a les JO en ce moment? Ah ouais! C'est en ce moment là? Oh là, bah, je vais faire un petit live d'une heure. Hein. J'ai proposé à Spirit de jouer, mais il me répond pas. Du coup, je pense que je vais faire juste le coaching et on va y aller. C'est qu'on commence dans 2 minutes. Ouais, les KSA, j'ai vu, ils se sont fait défoncer. Mais ils sont pas défoncés par tout le monde. Il faut un clip pour le coaching. Non, non, il faut m'envoyer des replays. J'ai trop envie de jouer. En ce moment, j'aime trop jouer à Rocket League. Ça fait plaisir. Hier, j'ai tilté à cause des snipes, mais j'ai bien joué en vrai. J'ai pas regardé hier. À 1785, on a perdu la dernière. J'étais à 1800. En vrai, je suis à 60, 75 points. J'étais à 75 points du SSL là. On est vraiment pas loin. Bon, est-ce que je vais faire l'effort d'y aller? Je sais pas. Probablement pas. On est pas très loin. Ouais. Bah joue. Ouais, mais il faut que je coach là. Là, c'est coaching là. J'ai coaché Atlantide Wave cet après-midi. Et en ce moment, j'ai aussi très envie de jouer à Ark avec mes amis. Donc, le truc, c'est que j'aime pas jouer à Rocket League off-live en fait. Je joue plus du tout off-live quasiment. À part avec mes potes, et ils sont pas assez haut niveau, mes potes. Du coup, je pourrais tryhard off-live, mais j'ai pas trop envie. Ça va. Si je monte off-live, ça va hurler au boosting. Je préfère vivre heureux. Non, puis en plus, en vrai, tryhard comme ça, off-live, j'aime pas, je préfère le partager. Quitte à tryhard, autant que je le partage avec vous, quoi. Non, justement, la back mode est pas activée, donc j'ai vraiment les roues. J'ai fait mes comptes cet après-midi. J'ai fait mes comptes cet après-midi. Ça va. Ça s'est régalé. Et j'ai coaché Atlantide Wave. C'est marrant, Saizen n'était pas là. Du coup, c'est Extra qui l'a remplacé. Extra à sub. C'était marrant. Un jeu contre Flame, Ibs. Il y avait le bro Rhinoms, évidemment. Tu es malade, j'ai la voix cassée depuis plusieurs mois. J'ai trop hurlé en cast et elle est vraiment brisée brisée. J'ai rendez-vous à l'hôpital en début de mois prochain. Et Razmeltor, il a rendez-vous pour son vaccin le vendredi. Et oui, je l'ai vu venir, Macron. Pas à moi. On me l'a fait pas. Du coup, j'ai pris les rendez-vous avant sa déclaration. Tu prends vraiment ton métier à cœur, pour le coup, ouais. Après, c'est un métier passion et je fais que ça, moi, de la vie. Tu vois, j'ai pas de vie de famille. J'ai vraiment. C'est vraiment toute ma vie, quoi. C'est pour ça que ça me prend à cœur autant. Oula. Salut Mozarkel. 50 balles le test PCR? Ah ouais? Faut payer 50 balles pour aller en boîte si t'es pas vacciné quoi. Prix d'une boisson quoi. Tu bois un verre de moi. Ouais, je trouve ça un peu dingue cette histoire. Enfin, nous n'allons pas en parler parce que ça va m'énerver. En tout cas, je suis curieux de savoir comment ils vont faire. Comment ils vont faire? S'il y a des soignants qui refusent de se faire vacciner en fait. Ils vont les foutre dehors. Mais on peut pas les foutre dehors les soignants. Ça par contre je suis très curieux de savoir comment ils vont faire.
Il va faire quoi, Macron? Il va arriver dans l'hôpital, il va faire bah tous ceux qui sont pas affectés. Ils arrêtent de les payer. Oh bah alors là, s'ils arrêtent de les payer, ça m'étonnerait qu'ils se déplacent. Hein. Tu peux pas faire travailler les gens gratuitement, bah, c'est pas possible. Ils vont faire quoi? Ils vont faire bah vous sortez. Et les patients ils vont mourir. Comment ils vont faire? Oh la situation incroyable. Il va forcément y avoir des dingueries avec cette histoire. Une amende? Mais attends, mais. Ils vont plus venir, hein. Parce qu'en fait, ceux qui sont obligés de travailler, parce que sinon ils peuvent pas manger, ils vont se vacciner même s'ils n'en ont pas envie. Ok? Ça, on est d'accord. C'est un privilège de riche de combattre l'autorité. Je veux dire, quand t'as pas les moyens de faire grève, quand t'as pas les moyens de te révolter, bah tu fais ce qu'on te dit, tu fermes ta gueule. Bon. Mais tous ceux qui ont les moyens. Et qui décident de. Bah, de pas le faire en fait. J'ai la chance qu'on est en France. J'ai pas envie d'en parler de ça. Je pense que c'est plus pour longtemps. En tout cas, moi je me pose la question. Parce que ces gens-là, tu vas leur dire quoi? S'ils arrêtent? Vous vous rendez compte? Non, parce que là, s'il y a genre 10 000 infirmiers qui arrêtent, c'est l'hécatombe. On est déjà en flux tendu à cause des restrictions budgétaires depuis 20 ans. Le flux, il est archi tendu. Les mecs sont épuisés. S'ils décident de se barrer à cause de ce rapport de force là, mais il va y avoir beaucoup de décès. Il va y avoir énormément de décès, les dysfonctionnements vont être majeurs, ça va être une crise importante. Mais bon. Sélection naturelle, bah c'est les patients. C'est les patients qui vont en pâtir, hein. Qui seront eux probablement complètement vaccinés, tu vois. C'est bizarre. On va voir. Ou alors ils racontent n'importe quoi comme d'hab, ils vont rien faire et ils mentent pour manipuler les gens, je sais pas. Verra. Victime indirecte, bah c'est ça, victime indirecte du Covid. Si vous avez plus les soignants pour soigner. Oui, c'est ce qui va se passer. En fait, ils vont pas du tout être obligés de le faire. Ils vont encore passer pour des cons. Puis ils vont se dire ouais, mais au moins, ceux qui ont encore un peu de respect pour nous, ils se sont vaccinés à cause de ce truc et. C'est toujours ça de gagner, quoi. Genre, ils sont peut-être atteints ce niveau de cynisme. Le goulag. L'Allemagne qui a déclaré il n'y a pas longtemps qu'il préfère convaincre que de forcer. C'est alléchant l'Europe. Hein. Secret, un manque rend plus addict que jouer tout le temps. Alors là, c'est bizarre ta question. Les morts du Covid vont augmenter, bah si tu vires tous les infirmiers. Ah pour le coup moi je suis assez d'accord que les soignants prennent le vaccin. En tout cas toutes les personnes qui ont un contact avec les personnes à risque quoi en fait. Le truc c'est qu'il faut faire des aménagements pour ceux qui veulent pas, il faut pas les forcer quoi. Bref, c'est comme ça. C'est un peu comme si tu forçais les patines à servir preset. Ouais, ils vont monter les ceux qui ils veulent monter ceux qui ils espèrent passer la réforme des retraites pendant que les mecs pas vaccinés se battent avec les mecs vaccinés.
pensez que ça va passer ou pas? Machiavel, quoi. Il annonce le pass sanitaire et juste après, il explique que les gens vont travailler plus longtemps. Les gens, ils ont déjà zappé, ils sont déjà en train de faire les pancartes, ils ont pas entendu la deuxième annonce qui est pourtant la plus importante et de très loin. Avec un peu de chance, les Français sont tellement cons qu'ils vont se battre entre vaccinés et non vaccinés et nous, on pourra aller tout vendre discrètement, quoi. Ça, on vend, ça, on vend, ça, on vend. Le coaching commence quand? Il a théoriquement commencé depuis 8 minutes, mais j'ai l'habitude d'être un peu en retard. Les gens vont bloquer sur un truc qui peut leur sauver leur vie dans le vent. Comment ça? Oui, bah à la limite, on est habitué hein, à ce qu'ils fassent ce qu'ils veulent sans tenir compte de ce que les gens pensent. Tu vois, la mettre spécial. Bah moi je la tiens comme ça. Flemme de la retraite plus tard que actuellement. Coach Key, il a les antivax? Comment ça? Pas du tout, je suis pas du tout antivax moi. Alors là, ouais. J'ai pris mon vaccin. J'ai pas du je ne suis pas du tout antivax. Les chat tweets c'est bien représentatif. Ouf, ça je sais pas. J'ai chauffé le chat avec ça. Quoi, j'ai rien dit d'énervant si? J'ai énervé des gens là? Qui est énervé par ce que j'ai dit? C'est pas grave, on peut en parler. Vas-y, je vais y aller. Il y a des gens énervés là? Salut Newswatch. La différence des TTV pour moi quand même si encore une fois je précise je suis pas anti-vax, c'est que les autres vaccins, on connaît les effets à long terme. On connaît pas les effets à long terme de ce vaccin-là. Et ça, je suis désolé, mais c'est un vrai argument. Et c'est souvent pour ça que les soignants veulent pas se faire vacciner d'ailleurs. Et on connaît bien à l'hôpital les effets secondaires. Après, voilà. Bénéfices, risques, c'est des choix de société aussi. Comme tous les vaccins lors de la mise sur le marché. Non, normalement, t'as des essais beaucoup plus longs. Ça change rien, pour le coup c'est un faux argument par contre. Bon là, je vais dire, ça va faire 3 heures, mais pour moi c'est un faux argument que le vaccin a été fait vite par rapport aux autres qui ont été faits en plusieurs années. C'est un peu débile comme argument, ils ont mis énormément de moyens. Forcément, s'il y a 10 fois plus de personnes qui travaillent sur un truc, il va être fait 10 fois plus vite, donc ça c'est pas un vrai argument. Il n'y a jamais eu d'effet à long terme des vaccins. De tous les vaccins qui ont été inventés, qui n'ont jamais été... Okay. J'ai pas vérifié cette information. Mon pseudo, il vient de... L'abo ne couvre pas les frais dû à des problèmes. Bah, ils sont pas fous. Hein. Ils en savent rien non plus. Les vaccins non efficaces sur les variants. Bah, ils sont pas non efficaces, ils sont plus ou moins efficaces sur un variant. En fait, un virus, il se modifie très légèrement. Du coup, le vaccin qui spécifiquement attaque le virus, s'il est un peu différent, bah, il va être un peu moins efficace. L'anti-coaching, ouais. On en reparlera si vous voulez. On fera, vous savez quoi, on en parlera. Ouais, moi je suis inscrit au vaccin, j'y vais vendredi là. Allez, go! J'y allais pas, je l'ai pas fait plus tôt parce que je sortais pas de chez moi. Là, je vais plein de projets. En fait, comme c'était confiné, pour moi, j'avais pas spécialement. Comme j'étais confiné et que je sortais très peu, j'avais pas spécialement de raison de me précipiter dessus. Comme là, je comptais sortir et qu'ils vont réouvrir, bah, je vais le faire. Tu vas dans Nizikota? Oui! Tiens, changement de sujet. Pour le coup,
Effectivement, j'ai eu son autorisation, donc on va regarder. Ce sera soit demain, soit après-demain. Je vais regarder, on va faire un react entre guillemets d'une vidéo de Gotaga sur YouTube. On va analyser un petit peu ce qu'il dit. Est-ce qu'il a raison dans ce qu'il analyse? On va analyser aussi ce qu'il fait. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi il est vraiment C1. Ok? Et quelles sont les qualités qu'il possède qui font qu'il a pu monter jusqu'au C1? Ça va être ça un petit peu ce que je vais essayer de vous expliquer. J'ai déjà des idées puisque j'ai déjà regardé les vidéos. Les gens comprennent pas pourquoi est-ce qu'il est monté C1. Alors je vais vous expliquer pourquoi. C'est bon pour vous? Donc on regardera ça et après on regardera évidemment les commentaires de la vidéo YouTube. Il n'y a pas de conseil générique pour ce hello, Allo Mora. Et j'ai fait des coachings un peu avancés si tu veux regarder. J'ai fait un coaching GC2 qui sort demain. Coaching GC2 qui sort demain, il devrait t'intéresser. Non, le point fort de Gotaga, c'est pas les rotas. Et je vois beaucoup de gens dire ça, je suis pas d'accord. Déjà, boum. C'est pas ça le point fort de Gotaga. Ce sera soit demain, soit après-demain. Certainement pas son mental. Son winrate est fortement affecté par son chat. Et il change de decision making quand il est énervé à cause du chat qui est insupportable. Je peux comprendre qu'il soit énervé, hein. C'est pas moi qui vais donner le son à un streamer qui s'énerve sur Rocket League, hein. Rien qu'il est hier, j'étais un peu tilté. Mais non, c'est certainement pas son mental. Bah, vous verrez. Je comprends pas les rageux qui disent qu'il a pas le level pour être C1. Parce qu'ils savent pas, ils ont pas compris Rocket League. Vous essayez de deviner, c'est trop marrant. Vous verrez demain. Je peux vous dire qu'il y en a qui s'approchent de la vérité dans les commentaires, mais je vous dirai pas qui. Vous faites rire. Alors, il y en a qui apportent des éléments de vérité, mais je parle pas de ça. Oui, effectivement, le fait qu'il spamme le jeu aide énormément. Il se rapproche de son win rate avec énormément de games. Beaucoup de gens sont stuck parce qu'ils jouent pas assez. Aussi. Voilà. Mais je parle pas de ça, je parle de ses qualités en tant que joueur. Tu vois la vidéo de Fex, Road TSL sans mécanique non, pas du tout. Vous allez voir. Alors, on est parti pour le coaching. J'appelle directement. Hop. Allô? Allô, salut! MMS, comment ça va? Ça va très bien, et vous? et toi, par pitié. Alors, on est en live sur Twitch, télévision, coaching live C1. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce C1? J'ai été... j'avais arrêté pendant la saison 2. Saison 2 free-to-play. Okay. Et j'étais revenu dans le jeu, j'étais platine 1 avant d'avoir arrêté. Je suis remonté D2. J'étais stuck un peu en D2. Ouais. Et j'ai réussi à remonter avec un mate jusqu'en C1. Et voilà quoi, du coup j'ai envie de prendre un coaching en C1 parce que j'imagine que je vais rester pas mal stuck. Donc ton mate, il est du même niveau que toi? Il était C2. Ok, et il jouait sur son compte C2? Il jouait sur son compte Smurf et ensuite il est allé sur son compte C2 quand on est remonté niveau C1. On était low C1 puis ensuite on est remonté un peu plus. D'accord, et quand vous êtes remonté, c'était lui qui était sur son compte C2? Ouais, évidemment. Okay. Donc ça joue en C2. Logiquement. Ouais. Ou très haïtien. Ok. Donc là, t'as une game avec lui, c'est ça? Il y a une game avec lui et deux games et en deux solo. Et deux games en solo queue C1. Donc plutôt l'océan. Division 3. Division 3, donc haïtien. Ouais, ok. Ouais.
Ok, très bien. Tu joues combien d'heures par jour et combien de jours par semaine? Alors, je joue maintenant, vu que c'est les vacances, je peux jouer tous les jours et je joue à peu près 4 heures par jour. Ok, donc gros temps de jeu. Ouais. Gros temps de jeu. Comme toutes les personnes hein, qui s'approchent de ce vélo, hein, qui grindent pour s'approcher de ce Évidemment. vélo. En jouant peu, on se maintient. En jouant beaucoup, on grind. Si on jouait peu, vous allez progresser, certes, mais à la même vitesse que le ladder. Et par conséquent, vous n'allez pas monter en MMR. Bref. C'est quoi ton pseudo sur Twitch? C'est MMS 240. Ok. Eh ben écoute, Voilà. hésite pas si t'as des questions. Tu connais le principe des coachings live? Bien sûr, j'en ai regardé beaucoup sur YouTube. Ok. Au niveau des vannes, t'es comment? Plutôt timide? T'aimes pas trop? Tu t'en fous? Mais moi, ce que je mérite. C'est devenu le même. Il y avait un gars qui... Ouais. Il y avait un gars qui avait dit J'ai eu ça et l'info du coup hier tout le monde dit soir. ça maintenant. Ça m'extermine. Il faudrait faire une émote, mets-moi ce que je mérite, mais c'est un peu long. Ok, ça marche. Eh ben écoute, on va voir. Je suis plutôt calme aujourd'hui, tu devrais t'en sortir, mais ça va dépendre des games. Ok, on est Ouais, pas de parti. problème. Comme d'hab, en vrai, hein. Ça dépend surtout des games. Ouais. Allez, on est parti, tu peux te mute sur Discord et puis tu me dis quoi. Ok? Pas de problème. C'est parti. On commence donc. Ah mon Dieu! Alors attendez, quelques petits changements à faire. Qu'est-ce que je fous là-bas? C'est normal. C'est mieux. J'avais changé d'autres trucs, je crois. La chatbox, on l'avait décalée. Hop là. Et on la remet ici. Ok. Il vole! Attendez 2 secondes, il faut aussi que je lance. J'ai oublié de lancer mon petit logiciel pour écrire si besoin. Bonjour, c'est Steam. Et voilà, on est parti! Vitality MMS, le joueur Vitality incroyable. Et est avec V2, donc il est sur son deuxième compte au moment où on parle. Donc ça joue sur le V2. Donc là, ça joue en C1. Allez, let's go. Ouch! Le kick-off goal. Ok. Prends ton temps. Alors, là il y a une erreur ici. Ouais, tu sors d'ici. Donc là c'est un double commit. Clairement, là il faut rotate. Hein. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut rotate ici? Qu'est-ce qui te fait dire que tu dois rotate? Il y a un élément important qui fait que bah il faut jamais sauter cette balle. L'élément important c'est quoi? C'est je ne joue pas pour aller vers le but adverse. Là, si tu sautes, c'est pour back pass ou pour hit quelqu'un, pour ton mate. Sauf que ton mate, il a déjà sauté. Ouais. Voilà. Donc là, soit c'est un miscommunication, soit tu ball chase. Tu vois ce que je veux dire? Donc quand tu ne peux pas aller vers le but adverse ou créer une action qui permet de s'approcher du but adverse, tu rotates. On joue toujours face à la balle, face au but. C'est ça la bonne trajectoire. Ok? Et bah d'ailleurs, ça va être terrible. Ok, ils vont pas marquer là-dessus. Ok. J'ai décidé de lui laisser là, il fallait bien communiquer là. T'aurais pu la reprendre, hein. Et là, attention à pas rendre la balle, tu t'es fait un petit peu fake change. C'est moi, je sautais aussitôt, ici.
Mauvaise évaluation des distances. Ici, on dirait un peu de la panique. Ok. Ok, la rota. Et ton mate, il met un petit peu de temps à challenge. J'ai cru qu'il allait me flic. C'est pour ça que, ouais. j'ai sauté avant. Ok. Ok, ton mate a un setup. Du coup, tu vas démo. C'est plutôt bien pensé. En vrai, ici, pas grand chose à dire. C'est juste raté. Ok. Si. Alors, le bon endroit, là, à ce moment-là. C'est. Ta voiture doit être à peu près ici. Ça, c'est la distance qui te manque. Alors. Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est assez intéressant comme action. En fait. Quelle est l'erreur ici? Ton erreur ici, c'est que t'as mis trop de temps à te rendre compte que tu avais du backup. Tu t'es comporté comme un gardien, comme un dernier défenseur qui doit concéder la possession. Et quand tu t'es rendu compte que ton mate était derrière toi, tu lui as foncé dessus. Sauf que c'est trop tard. C'est beaucoup trop tard. Donc là, ce que tu vas devoir développer ici, c'est quand est-ce que tu dois te dire que tu y vas. C'est ici qu'il faut tourner, maintenant. Trop tard. Tu vois? Est-ce que tu vois l'idée? Là, à ce stade, on ne sait pas encore. Il peut se faire démo, ton mate. On ne sait pas encore ce qu'il va faire. On ne sait pas. On doit se méfier du long shot ici. À ce stade, on fait attention au long shot. Et quand cette touch a lieu et qu'on voit que ce n'est pas un long shot, en fait. Tu dois défendre là, ton positionnement il est bon à ce moment-là. Jusqu'à cette touch. Pourquoi? Parce que si tu tournes avant, l'autre il tire et Tepec il ne peut pas back up. Ok? Tu vois ce que je veux dire? Là, il faut défendre le but. Mais une fois que cette touch est faite, il va y avoir du temps avant qu'il puisse retirer dans le but. La question que tu dois te poser à cette frame-là, c'est est-ce que mon mate sera revenu pour la touch suivante? Évidemment que oui. Évidemment que là, le temps que après cette touch, l'adversaire prenne la balle et essaie de tirer, évidemment que Tepec pourra se mettre derrière toi. On a traqué dans le mauvais sens de rotation, mais on s'en fout. Là, tu vois cette touch, ce n'est pas un tir cadré, tu challenges. Hyper vite. Tu l'as pas fait, t'as hésité, t'attends. Là, tu y vas, finalement. Sauf que il a eu le temps de rattraper sa balle et de se mettre un beau setup. Du coup, il tire, t'arrives trop tard, c'est but. Alors ton mate, il aurait dû être là, il aurait pu l'avoir, il a pas très bien réussi son arrêt, mais tu peux pas lui reprocher ici, parce que là en plus, il est presque gêné par ton challenge, j'imagine. Il a juste raté son coup. Bon. En tout cas, visiblement, il s'attend à ce que tu fasses un truc puisqu'il turn vers la balle. Il y a une hésitation ici de son côté. Donc là, il y a un problème de communication et il y a un problème de qui challenge quand, qui est P1. Comme il n'est pas dans le bon sens de rotation, c'est plus dur. Il aurait été dans le bon sens s'il avait été dans le bon sens de rotation. Tu n'aurais pas eu ce problème, probablement, puisque tu aurais sûrement su que ton mate était derrière toi. Là, vous avez backup tous les deux et vous avez challenge trop tard tous les deux. Salut Novax. Je sais pas ce qu'il voulait lui, j'ai pas vu ses messages. Bon, but. Et on peut te le reprocher. Pourquoi on peut te le reprocher ici? Pourquoi c'est de ta faute ici? C'est de ta faute parce que celui qui doit bloquer le tir direct, c'est le P1. Voilà. Parce que j'aurais dû challenge plutôt. Ou essayer au moins de faire, ou essayer d'intercepter la balle au moins. Ou l'empêcher de cadrer. Celui qui doit défendre le cadre du but, c'est le P1. La première personne qui va sur la personne. Surtout pas fake challenge. Vous ne faites surtout pas un fake challenge contre un type qui va armer une frappe, enfin. Le fake challenge, c'est quand t'es dernier défenseur et l'adversaire n'est pas dans l'axe du but, où vous avez le temps de faire un save en reverse. Là, c'est un penalty. Si tu fais semblant d'arriver... De toucher la balle, tu peux fake, au contraire, la personne derrière toi, tu peux la fake elle, et du coup, il va prendre le power shot. Surtout pas fake challenge ici. Ou alors, c'était bien plus tôt.
Mais non, là il faut challenge. Quand vous avez quelqu'un derrière vous, il faut que vous alliez au challenge. En tout cas, quand vous êtes si près de votre but. Le fake challenge, c'est bien, mais il y a un risque que vous preniez un giga power shot. Le mate a déconné. Bah, oui. L'autre option aurait été de rotate back post et de que tu dises à ton mate d'aller challenge. Là, tu te positionnes ici, Tepec il y va et ce save il est facile à faire. Et là, on est typiquement dans le problème des gens qui jouent pas dans le même sens. Regardez comme vous vous êtes croisés. Si on regarde bien les trajectoires, bah, la balle elle passe un peu entre vous deux. Personne ne sait qui y va. Mais là... On avait oublié de call sur celle-là. Hein, on dirait que vous n'avez pas une très bonne communication. Hein. Pour l'instant, là, avec une minute de jeu... Soit tu turn challenge pour empêcher le tir et ton mate fait le save. Soit tu rotate back post et ton mate tourne sur lui-même pour challenge. Le mieux, ça aurait été que tu challenge. Hein. C'est cette option qui était mieux. Pourquoi ? Parce que c'est celle qui vous fait perdre le moins de speed et qui nécessite le moins d'accélération. Toi, t'étais plus proche pour aller challenge et ton mate, bah, ça lui évite de faire ce turn-là qui est très lent. Donc là, attention à la com, et attention aussi, attention à la communication, et attention au sens de rotation, que vous puissiez capter qui est P1 en fait. Là, il y a un problème de savoir qui change. Il est encore dans le mauvais sens, ton mate. Hein. Ouais, ça fonctionne. Le doink, bien essayé. Dommage. Là, tu ball chase. Ball chase ici. T'as littéralement cut ton mate ici. Bon, il est un peu au pâquerette. Hein. Mais bon. Là, tu vas te planter comme un radis. Tu vas le gêner. Ça va être terrible. Là, je peux prédire que c'est la sauce. Hein. Là, c'est clairement la sauce. Il faut que ton mate aille sur ce ballon. Que toi tu rotates derrière lui, prêt à faire un choix, à savoir backup s'il rate tout ou aller au centre s'il réussit. Là tu vas devoir faire ce choix. Il faut te positionner en P2. Toi, ball chase, lui, cut. Alors pourquoi est-ce que c'est plutôt à Tepec d'y aller ? Si le mate est trop loin, qu'est-ce qu'on fait ? D'abord, j'ai vu la question dans le chat, ça m'intéresse. Parce challenge, que Tepec il est face à la balle ? Ouais, t'as répondu à la question d'avant. Tepec est face à la balle. Donc il va pouvoir aller prendre un bon challenge. Toi tu es de côté, tu pourras pas. Si ton mate est vraiment trop loin, tu vas fake challenge shadow défense sur lui. Et derrière, c'est Tepec qui va challenge. Pourquoi il rigole, Brian ? Bizarre le chat aujourd'hui. Allez hop. Désolé YouTube. Il me fatigue. Allez go ! Bra. C'est la souris. Allez go. Donc là, ball chase. Et vous jouez pas la balle de face. Et ça communique mal. Et tu vois, encore une fois, deux fois de suite, vous prenez pas des challenges avec une bonne trajectoire. Vous êtes dans la précipitation et vous prenez des mauvais duels.
transition, c'est pas mal. Attention, ouais. Vous êtes en train de faire un petit peu out-rotate, mais ça, vous avez eu le temps de revenir. Oh là là, cette communication, vous avez du mal à... Ok. Un mec qui bouge plus. Oh! Ah, dommage. Il a failli réaliser le geste. Oh là là. C'était dangereux cette prise de boost. Hein. Pourquoi cette prise de boost, elle est pas ouf? Le commit 19, putain. Parce que Tepec aurait pu se faire battre pendant son challenge et l'adversaire avait un open juste après. Ça. En fait, le problème là, c'est bien d'aller vers l'avant comme ça, comme tu le fais, à l'unique condition que ton mate ne se fait pas de change. Ça, c'est la différence entre faire confiance à son mate et respecter l'adversaire. Si personne ne va... S'il était pas là, s'il était en train de back là, on s'avex là, le bleu. Bah, Tepec, ouais. Il avait une free ball, il avait personne pour le gêner. Du coup, tu dois partir du principe qu'il va réussir ou au moins partiellement réussir ce qu'il va essayer de faire. Donc là, ça s'appelle faire confiance. Je fais confiance à mon mate, il a la balle, il a du boost, il va réussir. Il n'y a aucune raison qu'il rate. C'est le bro, ok? Mais là, il y a un adversaire. Du coup, tu peux pas réfléchir de cette manière puisque l'adversaire aussi peut réussir son duel. Il peut le gagner. Il n'est pas nul, normalement, si vous êtes à votre elo. Donc, il faut le respecter, lui. À tout moment, il va... faire un bon play et battre ton mate. À ce moment-là, il faut que tu sois derrière. Donc, vous ne pouvez vous mettre en position offensive comme tu le fais, prendre un boost offensivement comme ça, qu'à l'unique condition que votre mate a un free clear, tout simplement. Sinon, pad et backup. Et là, il n'y a pas eu but. Tu t'en sors bien à chaque fois. Pendant un moment. Hein? J'ai pas compris. Trav qui était AFK pendant un bon moment, je crois que c'est pour ça qu'on a ouais. Pas pris le but. Ouais. J'ai vu. C'est dommage de jamais jouer correct avec des bonnes trajectoires les balles. Hein. En prenant un peu plus large, j'ai l'impression que t'as un peu le même problème. Ça, c'est la fameuse vitesse des C1, ça. Vous sentez la vitesse? Quoi, qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Je sors de la douche. Vous sentez la vitesse des C1, là? El Famoso Speed. Bah, elle est là. Précipitation abusive, tir raté. Frappe dans le mur. Le C1 va vite. Le C1 tire à côté de un stade. Le joueur plus expérimenté prend son temps pour marquer un but. Je crois que c'est fait exprès, ça. Bon, on dirait qu'il se précipite et comme il a boosté en tournant, en fait. Non, il a pas du tout fait exprès. Comme il a boosté en tournant, il a pas eu la trajectoire idéale, vous allez voir sur son point de vue. Du coup, il est obligé de sacrifier parce que sinon il rate la balle en fait. Hop, il s'est gouré et du coup, hop, il flique là-bas parce qu'il s'est trompé. Là, à mon avis, le fake est fait exprès. C'est plutôt bien essayé par contre ce fake. Ou la démo alors que vous n'avez pas la possession. Oh là 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 là, la com! Ouais. Là, je me souviens de ce qui s'est passé parce que j'avais call que j'allais reprendre la balle, mais il a voulu continuer. Rien. Ça, c'est terrible. Hein. Du coup, pour un duo,
ça se passe pas bien. Il faut que vous respectiez là. Il faut que vous respectiez vos calls les uns les autres. Après, tu peux pas lui voler sa balle, mais là, si tu t'imposes et que tu décolles, il faut qu'il te la laisse. Hein. Ou alors, lui, il doit dire son intention, quoi. Mais clairement, il est sale, le double commit. Ça fait très mal. Hein. Vous êtes en situation avantageuse, là, vous devriez marquer ou mettre de la pression. Ouais. Ok, encore, j'imagine, ou c'est un pin, je sais pas, mais... Ok. Ah, et tu vois, encore. Alors ça, par contre, c'est ton tour, là. C'est quoi le problème, là? Ça... C'est l'erreur que vous voyez le moins, la plus invisible, et qui pose le plus de problèmes en dessous du GC. Quasiment, l'erreur mécanique. Ouais, tu disais? J'aurais dû prendre mon temps parce que l'adversaire pouvait pas vraiment push parce que sur l'action précédente, ils avaient gaspillé beaucoup de boost. Non. C'est ça. Trajectoire. Ta trajectoire d'approche. Tu n'anticipes pas, tu cours après la balle. T'arrives avec un angle catastrophique et ça t'empêche de prendre cette balle parce que tu te fais bouncer. Là, clairement, personne te met la pression. Franchement, limite. Je déconne pas. Ensuite, je décolle. Triple reset, but. Terminé. Non, mais je déconne pas. Mais c'est comme ça que je symbolise le triple reset. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Regarde comme la balle, elle part là-bas. Et toi, t'es là. Et tu vas droit sur la balle. Et tu fais quoi une fois que t'arrives sur le ballon là? C'est quoi le plan de jeu là? Évidemment, tu shotes pas. Je voulais contrer la balle sur le mur, je sais pas. Contrer la balle sur le mur, ok. C'est-à-dire, tu voulais prendre la balle sur le mur, remonter sur le mur là? Ouais. Voilà. Pour continuer l'action. Je sais pas. Ça s'est mal passé. Ouais. Ça s'est très très mal passé. Mais de toute façon, c'est une erreur. T'as combien de boost en plus là? En fait, pourquoi, même si tu avais réussi alors que c'est bien trop dur visiblement, pourquoi ça aurait été quand même une connerie? Il y a au moins trois raisons. J'avais pas de backup, je pouvais pas relancer une attaque, je sais pas. Non, je vais te le dire. Là, clairement, déjà, tu accélères le jeu. Et ton mate n'est pas en position. Donc, tu accélères le jeu en allant vite sur la balle pour vite repartir à l'action suivante, alors que ton mate, il est complètement out. Donc il y a un problème de rythme. Quand bien même tu aurais réussi à prendre cette balle, tu te serais retrouvé en 1v2 derrière pour marquer. Alors qu'en prenant ton temps, tu aurais certes laissé du temps à tes adversaires, mais ils sont en position défensive, donc eux, ils font rien. Ils sont en train d'attendre. Donc s'ils sont en train d'attendre, on en profite. Là, en prenant plus ton temps, alors t'es pas obligé d'aller au boost, mais en prenant un petit peu plus ton temps, tu vois, tu aurais pu laisser à tes pecs le temps de démo, d'aller faire un truc, de se repositionner, tu vois. Donc, en plus de ça, en reculant dans ton camp, qu'est-ce que tu vas faire? Et ça, c'est quelque chose qui est très important de comprendre quand on veut créer de la valeur en étant bon, plus bon mécaniquement. C'est quelque chose qu'on apprend à faire plus tard, à plus haut niveau, quand on commence à avoir un bon contrôle de balle. C'est que si vous temporisez dans votre camp, vous faites sortir la défense. Et ça, c'est fort. Parce que si quelqu'un te saute dessus, bah ça te permet de le dribbler. Et là, hop, 2v1. T'as l'avantage sur cette balle. Y'a personne qui l'a. Tu l'as en premier, t'as du boost. T'as aucune raison de te précipiter ici. Ce qu'on veut. Si l'adversaire bouge pas, bah tu prends ton temps, ton mate bump le gardien, pff, tu marques.
Ok, facile. Si l'adversaire te fonce dessus, bah il va probablement se donner. Du coup, tu peux le dribbler pour créer un 2v1. Donc ça, trop bien. Et voilà. Donc ça, c'est une situation très favorable. Et c'est complètement gâché par la précipitation, par le fait que tu te jettes sur cette balle. Et là, c'est quoi le premier réflexe du chat? Le chat. Là. Qu'est-ce que vous dites en vocal? Qu'est-ce que vous auriez dit là? Soyez honnête. On sait tous ce que vous allez dire. Vous allez chouiner parce qu'il y a un bounce difficile. Ah, le bounce, ah, c'est trop dur, je bugué, ah, je retourne Fortnite. Voilà, alors que pas du tout. On s'en fout du bounce. Ça va, je rigole. Là, il faut pas le jouer ce bounce. Chez les noobs. Il faut pas le jouer. Donc là, tu prends une trajectoire trop directe alors que t'as du temps. Vous n'utilisez pas l'espace à votre disposition. Au final, t'as tout raté. Et l'adversaire qui était hésitant, qui était trop loin, qui était pas en position du tout, qui était dans la sauce, bah ça se transforme en giga bonne balle. Alors bon, lui... c'est quoi cette game là? Vous avez un adversaire aux pâquerettes, hein. Lui, il sait pas du tout ce qu'il fout là. On est d'accord que personne lui a dit qu'il est... C'est le jardinier qui a pris l'octane. C'est le mec qui entretient les tribunes, qui est monté dans une bagnole après avoir bâillonné le conducteur. On est d'accord. Non mais c'est sûr. C'est pas du tout le bon pilote. Il y a eu scam d'octane avant le début du match. C'est pas son jour, on va dire. Voilà. Je sais pas ce qui lui arrive, mais il a des problèmes. Hein. Il est là, il est content. Cela dit, oh bah tiens, chè. Sa vie à lui là, putain. Ça me fume. Qu'est-ce qui est vraiment lui? Attendez, excusez-moi, petit. Ouh, le diagonal dégueulasse. Ok, ça c'est une bonne distance pour attaquer, hein, pour ceux qui ont un doute. Faudrait s'avancer un peu plus, hein. Oh là là, oh là là, oh il peut rien faire, oh là là, oh c'est très très grave. Hein. Il m'a saoulé. Lui il est high, c'est sûr. Hein. Lui il a beaucoup trop joué aujourd'hui. Hein. Mais il fait rien, hein. C'est un pur 2v1 cette game. Hein. Ok. Hey, merci au cocotte. Qu'est-ce qui te prend? Merci beaucoup. Merci beaucoup cocotte pour le don. Ouais. Bah il faut pas la faire cette passe. Hein. Fallait pas faire la passe. Non, pourquoi? Bah je me suis dit j'avais bien vu mon mate, on aurait pu marquer. Je croyais que c'était une tentative. Lui, s'il arrête de picoler, il la compte ses buts. Hein. Là en fait le problème c'est que tu fais une passe dans l'axe alors que t'as littéralement un adversaire qui fait face à vous quoi. Là lui s'il est un poil plus rapide, il est un peu moins lent d'esprit. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ok. Merci à Gokat. Bon, c'est bien réalisé. Et merci Razor XJX pour le don. Merci beaucoup, mec. Okay. Bien ici la Shadow. Allez, attention à la démo. Le mate revient pour aller prendre le challenge. C'est très bien joué. C'est open. Ah ! Dommage. Raté le contrôle. C'était open. Ouf. Ouf. Bon.
Oh, la passivité des adversaires. Ah, c'est pas de chance ça. What a save! La tristesse de cette action. Tout le monde aura tout raté et la balle n'est pas rentrée. Et c'est ce moment où tu te dis qu'en fait, s'il n'y avait pas de joueur sur le terrain, la balle elle serait juste rentrée dans le but tranquillement, tu vois. Elle aurait fait sa petite vie. Les joueurs qui gênent, c'est chiant. Ouh là 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 là. Je reconnais ça. C'est une tentative de pintarisette, ça. Ouh là 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 là. Par contre, pour aller faire des tonneaux aériens, il y a du monde, hein. Attends. Ah, ça tournicote, hein. Mais ça fait des training packs et ça s'est pas setup une balle. Imagine, t'es C1, t'as passé 2000 heures à t'entraîner à airdrip sur un training pack et tu sais pas pousser la balle sur le mur. Imagine, c'est chiant, hein. Faites du free play. Oh là 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 là. Ok, c'est bien, c'est pas mal, c'est cadré. Il y avait plus rapide, mais ça fonctionne. Ah, pas de commit, tu commites pas et tout, c'est pas mal ça. En fait, tu regardes bien tes adversaires. Et c'est bah, un peu comme tout le monde à ce vélo, c'est-à-dire que tu commences à observer ce que fait l'adversaire, mais t'arrives pas du tout à comprendre ce que fait ton mate, quoi. Je trouve que c'est vraiment ça la lacune le plus entre C1 et GC. C'est que vous commencez à comprendre ce que fait l'adversaire, vous commencez à avoir une bonne vision de ce que fait l'adversaire, mais vous n'arrivez pas à intégrer votre mate dans votre gameplay. Vous savez jamais s'il a du boost, s'il va go, s'il rotate. Et ça, c'est vraiment... J'ai l'impression que... Et ça, je sais pas trop pourquoi. C'est logique, en fait, mais... Genre de bronze à C1, les gens s'entraînent à regarder ce que fait l'adversaire. Non. De bronze à platine, les gens regardent que la balle. Ok. De platine à diamant, vous commencez à regarder ce que fait l'adversaire, ou au moins un des deux, celui qui est le plus proche du ballon. Et de C1 à C3, vous regardez les deux adversaires, voilà, et à partir de GC, vous commencez à vous dire « Putain, c'est vrai que j'ai un mate. Merde. Putain, ouais. » C'est vraiment ça, hein. Et là, t'as bien fake challenge, t'as bien shadow défense, c'est bien. Bon, tu t'es fait soulever, mais t'as pas fait d'erreur de decision making au moins. Tous les joueurs perso, je sais pas si c'est un problème de joueur perso. Je pense que c'est un problème plus profond que ça. C'est-à-dire que, en fait, tu analyses ce qui occupe principalement ton champ de vision. Et tu te forces pas à aller regarder autour de toi ce qui se passe. Parce qu'il y a un effort à faire pour se demander ce que fait le mate. C'est chiant, où il est, qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il prend du boost, est-ce qu'il est là, est-ce qu'il est pas là. Garder dans un coin de sa tête ça, c'est chiant en fait. Ça devient un réflexe avec l'entraînement et c'est évidemment indispensable à OLO. Manque de mécanique en plus, du coup, choix limité. C'est normal de manquer de mécanique en C1. Je regarde jamais derrière l'airbags. Hein. L'airbags. T'as pas besoin de regarder derrière. Je suis pas un... C'est bien de le faire, dans certains cas, pour prendre une information particulière. Mais je suis pas un grand fan d'appuyer sur le joystick pour regarder derrière. Moi, je le fais peu. Sans doute que c'est un défaut dans mon gameplay, d'ailleurs. Mais je crois pas que ce soit si pertinent que ça. Vous devriez plutôt essayer de savoir à l'avance ce qui va se passer, d'anticiper. Si ton mate il a pris un boost et qu'il a tenté un triple reset et que évidemment il a raté, tu dois savoir sans regarder qu'il va probablement se traîner jusqu'au boost le plus proche parce qu'il a plus de boost, parce que son erreur mécanique va lui coûter tout son boost. Il n'y a pas besoin de regarder, on sait ce qu'il va faire. Essayez plutôt de comprendre comment ça se passe plutôt que de devoir regarder. C'est chiant de devoir regarder, hein.
Et alors, il faut regarder des fois. Je dis pas qu'il faut pas utiliser cette caméra. C'est bien de regarder, de prendre certaines infos. Mais pour le coup, pour moi, si je devais être un peu de mauvaise foi, je dirais que passer son tour à utiliser sa caméra, c'est pas comprendre ce qui se passe sur le terrain et pas prendre correctement l'information au moment où elle passe sous ton nez. C'est un peu un aveu de faiblesse de regarder derrière soi. Ça veut dire que t'as aucune idée de ce qui se passe sur le terrain quand c'est pas sous ton nez, quoi. J'exagère, évidemment. Regarder derrière, c'est bien. Mais quand on... Pour passer pas mal de temps sur le point de vue des joueurs pros, je peux vous assurer que bah ils le font pas tant que ça. Alors peut-être que c'est une erreur aussi de leur côté. Le flûtiste ! Merci beaucoup, le flûtiste professionnel. CEO, merci beaucoup. Merci beaucoup pour les subs, vous régalez aujourd'hui. Merci. Je suis tout à fait d'accord avec la remarque de Bitripper qui dit « Je pense que la capacité à voir ses mates et adversaires est fortement liée à ta capacité à contrôler ta balle avant que ça l'occupe de ta... » ça spam, j'ai pas vu. Lié à ta capacité à contrôler ta balle sans que cela occupe toute ton attention, la vision de jeu augmente donc naturellement avec la technique. C'est vrai. C'est vrai, mais laisser faire la nature, c'est quand même se priver de l'intelligence collective. Toutes les personnes qui ont connu Rocket League au début ont dû passer par cet apprentissage long et laborieux. On peut aussi se poser des questions pour aller plus vite, accélérer le processus. Mais oui, au plus tu n'as pas besoin de regarder ce que tu fais pour le faire, au plus tu dégages du temps de cerveau, entre guillemets, pour aller prendre de l'information. C'est totalement vrai ce que tu dis. Mais on peut quand même, dans certains cas, se poser des questions pour accélérer la compréhension du jeu. C'est vrai, mais laisser faire la nature, c'est pas ouf. En tout cas, ce que tu dis est sans doute l'explication de ce qui se passe. C'est une très bonne explication de ce que j'ai dit plus tôt. Mais vous pouvez faire l'effort d'être meilleur. Ok. Allez, game 2, solo queue. Ça te convient? Démute-toi peut-être. Qu'est-ce que t'en as pensé? Salut Thibaut. Ouais, j'ai pas mis la lumière, ça m'a saoulé. Le fond vert est dégueulasse. Ouais. Ouais. Alors, verdict? Satisfait, pas satisfait, tu vois ce que je veux dire? Oh. Moi, ouais, faut que je regarde l'adversaire, faut que j'ai... Le mate, surtout. Faut que je regarde, pardon, mon mate, ouais. Faut juste que je regarde mieux mon mate, c'est surtout ça. Ouais, c'est surtout ça. Et en tout cas, faut que je colle plus que, ouais, que je tire. Tes sens de rotation aussi, fais attention à pas ball chase aussi. Tu ball chase parfois. Mais ça, c'est lié aussi à savoir où est ton mate. Mm. Tu savais où il était. Tu n'aurais peut-être pas foncé. Ouais, je l'avais vu dans l'écran, il était par la droite. Je crois pendant la fois où est-ce que tu as dit que j'avais ball chase. Donc, ouais. Voilà. J'imagine que je l'ai coach, je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai ball chase, j'ai pas l'habitude. C'est pas grave, tout le monde ball chase, hein. C'est pas une insulte. C'est pas une insulte, ball chase. Ok? Tout le monde ball chase. Ouais. Plus ou moins. Il y en a qui ball chase beaucoup et ça pose des problèmes dans le gameplay. Mais ça fait pas de toi une mauvaise personne, faut arrêter de croire ça. Ça, c'est une erreur de gameplay de ball chase. Voilà. Hein, pas le prendre comme ça. Ouais. Les gens qui insultent de ball chaser, je comprends pas. Ça n'a pas de sens. Hein. Ce à quoi vous pouvez répondre d'ailleurs, MDR, t'es au même rang qu'un ball chaser. Sans ball chase, tu dois quand même être du coup sacrément nul. Bah oui. Imagine, t'as le même elo qu'un ball chaser qui regarde pas. C'est que tu dois quand même pas être très fort. J'ai jamais insulté quelqu'un. Hein, non, mais petit disclaimer, on trigger le chat, on dab évidemment, les enfants sont en sueur. Ok. Ça va. Calmez-vous, ça va, je rigole, je suis taquin aujourd'hui. Ok, on passe à la game suivante. Il y a plein de buts, j'adore. Allez, c'est parti. Calmez-vous. Eh, hey, toi, je t'ai vu ball chase une fois, t'as pas le droit de te moquer. Ah putain. Ah, c'est un peu autoroute, ça, non? Ça, c'est la... C'est un gigantesque tout droit. Alors, j'ai une excuse. Vas-y, ça m'intéresse. C'est que j'ai un ordinateur qui est totalement claqué. Ah oui, ok, donc, début. C'est le premier kick-off. Du coup, j'ai énormément toujours de problèmes de ping et des FPS qui drop. Ouais. Alors, très bonne excuse.
Très bonne excuse, c'est validé. Okay, je vais allumer ma clim. C'est hyper rapide, hein. Allez là. Bon. Bah Django, c'est le boss. Ok, on y va. Là, tu boostes pendant ton virage. Hein. Ça te fait pas aller plus vite. Hein. Ouais, j'ai pris un peu de temps, un peu beaucoup de temps. C'est intéressant, donc je vais prendre 2 secondes pour en parler, parce que c'est intéressant. Parce que là, on pourrait se dire, waouh, incroyable. En fait, non. Regarde. C'est pas mauvais, mais on peut optimiser ça. Là, t'as fait ça. Et là, t'as wave dash. Ok. T'as boosté pendant cette période-là. Quand vous boostez, vous ne tournez pas plus vite, c'est l'inverse. Vous accélérez, certes, vous accélérez dans la direction où vous allez au moment où vous activez votre boost, mais vous ne tournez pas plus vite. Ok ? Et là, t'as wave dash qui est bien. Sauf que tu wastes du boost. T'as dépensé 15 de boost de mémoire, t'étais à 86 après avoir boosté. C'est ce qu'il faut pour passer en supersonique. Et tu n'es pas en supersonique. Donc là... C'est pas mauvais, mais il aurait été bien mieux de ne pas booster ici, d'attendre de faire face à ici, ok, et là réaccélérer. Et tu boostes ici. Je déconseille le dérapage. Le dérapage, c'est très lent. Conserver une vitesse initiale. Une vitesse initiale correcte. Sinon, ça va demander plus de ressources d'accélérer. Ce qu'on veut, c'est tourner en vitesse accélérateur, en fait. C'est ça qu'on veut. Voilà. Ça aurait été mieux. Voilà. Petit power slide, ça fait perdre beaucoup de vitesse. Spirit BDS qui vient de se réveiller. Salut, mec. Voilà. C'est pas mal, mais tu vois, c'est quand même lent. Kebab. Panique. Tu te précipites un peu de partout là. Là je vois une panique totale. Hein. Tu paniques un peu quand tu joues ou pas? Moi c'est ce que je vois là. Hein. Ça c'est de la panique. Ça c'est de la panique aussi, tu le prends bizarrement cette balle. Et ça c'est de la panique. Ouais, donc j'imagine que J'ai dû faire une game avant qui m'a un peu paniqué, donc j'ai dû paniquer cette game aussi. Ouais, t'es un peu fébrile. C'est un peu fébrile comme... Ouais. Wow, le fake challenge ici. Alors pourquoi est-ce qu'il est pas bon ce fake challenge? Pourquoi est-ce qu'il faut lui foncer dessus? Bah déjà parce qu'il a pas le contrôle du ballon. On fake challenge un type qui a le contrôle du ballon et qui va nous flip nos grand-mères. Ce qu'on veut pas, c'est se faire flic et partir à l'autre bout du stade. On veut qu'ils flippent et qu'ils nous battent parce que de toute façon, on est battu quasiment à 100%. Donc ça sert à rien de sauter. Là, il y a match. Là, je suis plus proche de la balle que de mon adversaire. Alors déjà, ouais, mais comme t'es moins orienté, en tout cas, tu peux peut-être tenter un truc, quoi. En plus, tu vois ce que je veux dire? C'est open. Ah ouais, je vois. Là, c'est open net. Hein. Là, Spirit, il peut overshot dans la lucarne. Sous la crossbar. Ouais. Tu vois, là c'est but. Open. Ou double tap. Ferme-la. Oui, aussi, il peut là, tu lui laisses l'espace pour partir en air dribble, reset, bump. Il peut tout faire. En fait, là, tu lui laisses de l'espace. Tu le feintes pas là. Tu lui laisses de l'espace. C'est pas la même chose. Fake challenge, ça sert à faire déclencher. Un type qui n'a pas le contrôle du ballon, on fait pas déclencher. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Là, il est trop content. Hein. Il avait besoin d'un peu de temps, là. En plus, il galère un peu à contrôler sa balle. Il va quand même réussir son crochet. Mais ça va, tu vas le gêner suffisamment pour que ton mate perde pas ce duel. Mais tu vas prendre un but, je crois, non? Non, ton mate a bien réussi à sauver la situation. Là, tu vois,
Fake Challenge P1. Fake Challenge P1. Fake Challenge P1. Hein? C'est ce que je veux dire. Hein. Merci beaucoup à Jax pour le Prime. Salut Raz. Tu as un lien pour réserver des coachings. RazMetteur.tv. Pourquoi tu veux pas aller face à cette balle? Tu n'arrives pas à anticiper ça. Ça, c'est un truc qu'on voit bien plus tôt normalement que le C1. Parce que j'étais pas sûr à 100% de quoi l'avoir cette balle. Bah, c'est de l'hésitation, ça? Je me croyais pas capable de toucher cette balle. Ouais, c'est ça. Oui, mais d'accord. Mais pas c'est pas ça que je te reproche là. Non, je te reproche pas ça. Moi, ce que je te reproche, c'est de pas avoir fait ça. Tu vois, il y a un peu de délai, hein, je sais, avec le live, mais... Moi, tu prends, tes trajectoires sont bizarres. Enfin, pas bizarres, elles sont mauvaises, en fait. Genre, tu vas où, là, à suivre cette balle-là, à basse vitesse? Bah oui, tu te prends le mur et t'es battu. Normal, en fait. Et me dites pas, il a pas le temps, hein. Parce que là, je vais me fâcher, hein. Là, tu passes en supersonique, hop, tu turn, hop, tu challenge, boum, tu le dunk, ça rebondit, tu démo, c'est but. Terminé. Bon, j'exagère un peu, mais voilà. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait mieux à faire. Bah là, tu te promènes, hein. Il tape sur le mur, bah tu te prends le mur, tu repars dans l'autre sens. C'est pas ouf. Ou ce redirect? Ouais. Ouais, on joue après, Spirit. Pas trop longtemps, mais on joue une heure. Beau chase. Et merci Lulu. GG pour ton C3. Beau chase. Des problèmes de beau chasing en C1. Et tu vois pas ton mate. Et en plus, tu la tapes sur le côté. Encore une fois, trajectoire nulle. Tu sais quoi, c'est un wall read? Ouais, je dis wall read maintenant. Désolé. Hein. J'ai viré freestyler, qu'est-ce que vous voulez? Là, il a... Ah, tu vois, il a envie de te bouffer les couilles. Hein. Là, il a vraiment envie de te péter la gueule. Regarde ce petit saut de seum, là. Le petit saut. Et il s'en va. Et il t'a raté. Et il a trop le seum. Et il est en 1v1 et il le gagne. Fais pas ça en solo queue, mec. Hein. Un type qui a passé une mauvaise journée, il pourrait t'en vouloir là. Il pourrait lâcher un triple WoW. Ce serait son droit. Là... Ok. Patience, ça c'est pas mal. Transition. Et tu vois, bien joué. Pourquoi est-ce que là t'as joué autour de ton mate? Pourquoi là tu lui as fait une passe? Parce qu'il était exactement en face de là, toi. Je l'avais vu devant, puis il avait un avantage. Ben, il était sur l'adversaire, donc je me disais si ça rebondit sur lui, il peut battre l'adversaire, c'est tout. Puis il pourrait la marquer. Il est dans ton champ de vision? C'est ben, ça il que est dans mon champ de vision, surtout ça. C'est surtout ça? Ouais, ça a été, donc je l'avais vu. Ouais, c'est ça que je l'avais vu. C'est tout. En fait, il est entre l'adversaire et la balle, du coup tu l'as vu. Ce qui fait que là, on pourrait presque s'amuser. Vous savez ce qu'il faudrait faire un jour? Qu'on passe 8 heures à faire ça, en vue 50, en vue 10%, une game en 8 heures. Et on essaie de dessiner le champ de vision d'un joueur. Ouais, j'ai des hobbies chelous. Qu'est-ce que tu vas faire? Je pense que là, en vrai, si on voulait s'amuser un peu, parce que j'adore le plaisir, on met toute la game en 5%, là. Donc j'exagère un peu. Je sais. C'est hyper chiant. Ok. Non, regarde. On pourrait s'amuser à essayer de trouver en fonction de tes réactions, tu vois ce que je veux dire? Quel est ton champ de vision? Tu vois? Je pense que ça, c'est ton champ de vision, un truc comme ça. Et tout ça, là, tu vois pas ce qui se passe. Ou tu vois pas beaucoup. C'est obscurci. Tu vois? Toi, tu ne vois que cette zone-là, là. Et du coup, comme il est dans cette zone, lui, là, tu l'as vu. Tu vois, ton champ de vision, il est un peu comme ça. Il faut affiner.
Ouais, bon. Mais du coup, il est dans ton petit champ de vision, et du coup, tu lui as fait une passe, bien joué. Donc c'est pas un problème de, d'absence de volonté de jouer autour de ton mate. C'est que tu ne le vois pas, tu ne sais pas où il est, et il apparaît un peu comme un screamer. Ça a coûté une couille de coaching. Ouais, mais ça c'est offert. Hein. Les coaching analyses de turn en, en 10% de vitesse, ils sont gratuits. Hein. Je vais pas payer ça. C'est pour les passionnés. C'est pour les passionnés. Ah, c'est dommage que j'ai sauté aussitôt. Oula, double. C'est tenté. Oh, les pads, tu les dodges tous exprès, c'est pour m'énerver? Tu fais quoi là? Un raté, deux ratés, trois ratés, quatre ratés. Sache que j'ai envie de me tuer quand je rate les pads. No boost. Parce que ça m'arrive trop souvent. Ça arrive trop souvent, j'ai envie de mourir. Je sais pas pourquoi, mais depuis une semaine là, je rate tous les pads alors qu'ils sont devant moi et j'ai envie de mourir. Exactement, comme dirait Awa, c'est pas des mines, ok? J'aime bien comme t'essaies de prendre ton temps. Bon, c'est raté, mais c'est pas facile. Oh là là, lui il prend pas son temps lui. Oh putain. Oh la sauce. Pourquoi tu fais toujours aussi tôt? T'es un peu un pré-flipper en fait. T'as le pré-flip dans le sang. Hein. Je crois que tu paniques. Ouf. Joli. Image rare d'un C1 qui réussit une mécanique simple. Ça va. Il a bien pris son temps. Hein. Comment elle est partie vite. En même temps, le mec a de l'espace. Hein. Qu'est-ce qu'il fallait faire là? J'attends. Le fake challenge Shadow Defense de Raid. Oui, 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 c'est oui. Et c'est quoi la différence avec l'autre fois, la différence avec l'autre fois, où je dis à tout le monde, la différence avec l'autre fois, tu sais, où tu as fait l'erreur de pas y aller, en fait, de fake chain, c'est qu'il a pas de backup. Du coup, il faut qu'il fasse perdre le contrôle à joueur avant qu'il se rapproche du but. Donc là, il faut lui foncer dessus, il lève la balle, il rate parce qu'il a pas le temps de contrôler sa balle correctement, et tu la récupères, fake chain, shadow defense, ou fake chain tout court déjà. Regardez le temps qu'il a mis. Là, on pourrait dire, là, un joueur peut expérimenter. Un joueur qui commente négativement dans les commentaires à Gotaga, qu'est-ce qu'il dirait? Il dirait « Waouh, il est trop fort, Smurf !» Quel flic incroyable. Voilà. Moi, je vais vous poser la question suivante. Combien de temps il met le gonze là pour le setup, son flip de mort? On chronomètre ou quoi? But. Ça va, tranquille, c'est bien le free play? Vous vous amusez bien les connards? Il a mis 3 secondes et demie à le setup son flip. Donc oui, il est très réussi, mais ça a un elo un peu décent. Jamais t'as 4 secondes pour setup ton flip de ses morts. Impossible. T'as un type qui te donne... Il y a Spirit au bout du... De... 0,75 centième qui tombe du plafond en hurlant. Il pinch la balle, il démo. C'est bon? T'as 90 centièmes pour la flip, ta pute de balle. Sinon, il y a Spirit, il tombe du plafond et il te baisse ta mère, c'est bon? Là, ça va, ça va, Galerianos, outré. Je plaisante, évidemment, c'est un sketch. La violence, je suis choqué. Calmez-vous. Je plaisante. Bon. Seizen, là, je peux te dire que t'as pas le temps de la contrôler, ta balle. Hein. Il arrive derrière, là, avec le couteau entre les dents. Les photos de ses streameuses préférées là qui obscurent son champ de vision là partout, qui balotte dans sa Dominus là. Il démo, il prend toute la team là. Par derrière, tout le monde est démo, c'est open, hein. Terminé. Hein. Il te fait des gros fuck en même temps. Non, 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 sans déconner. j'ai trop l'image. Mais sans déconner, là. Ok, c'est un beau tir, mais il a vraiment mis 600 ans. Il a vraiment mis 600 ans à flic, donc le truc est réussi, mais c'est un flic de C1 pas terrible, dans la mesure où il a vraiment mis trop de temps à le setup, quoi. Merci, OGD, pour le prime. Bon. Donc là, on met de la pression sur l'adversaire. Fake change, Shadow Defense. Oula.
Bizarre ce kick-off là. C'est les lags ça aussi? Ouais, y'a but. Ça fonctionne. Tu vois? C'est open, hein? Là, s'il tire, il marque. Hein. C'est ce qu'il a essayé de faire. Mais il a trébuché. Heureusement qu'il a trébuché sur la balle, hein, parce que là, t'es mort. Fake change comme ça face à ton but, tu vas prendre un tir direct. Hein. Là, tu fonces et tu joues le contre. On fonce pas pour battre l'adversaire, on fonce pour bloquer cette balle. Là, tu le laisses tirer, encore une fois. Là, tu sautes et tu mets bien en position à ta hitbox. Là, blam, tu prends un bon contre. Ça pinch là, ça va se taper sur le mur, ça tombe sur ton mate but. Il y a un 50 à jouer là. Là, il faut que tu joues le 50, t'as pas le choix. Là, si tu fais que change, il tire, il marque. Hein. Ou alors, il tire pas. Danny là, hit bump, t'es mort. Y a, là, là, avec ce fake change, à un niveau un peu plus élevé, t'es mort à 100%. T'as aucune chance de t'en sortir. Mais même pas. À plus haut elo, le gars, il contrôle la balle, il attend. L'autre, il arrive, blah, par l'angle mort, là, hit bump, c'est open. Et le gars, là, il rentre en sifflotant avec la balle sur le toit dans le but, là. Terminé. Il lâche un quel arrêt. C'est dur. Est-ce qu'il va à haute position pour manger un pad? Le pad qui t'a bait, qui a permis à Bubs de te bum facilement. Si tu veux bum quelqu'un en dessous du diamant 3, à partir du diamant 3, tu rushes sur un boost au pif. T'as une sacrée probabilité pour démo un mec. Faudrait à calculer cette probabilité. Pareil, 8 heures de stream hein. En vitesse 5%. Putain. Oui. Voilà. Agressif. Al flip. Joli. Ça va. Oui. Bon positionnement, bonne patience. Bon, allez, tu la starves, bien joué. Et voilà. Et ton mate a marqué. Bon. Regardez un joueur patient. Et un backup en face nul. C'est ce que je vous disais un peu tout à l'heure. Attendez, quand vous avez la balle contrôlée, attendez que l'adversaire vous fonce dessus pour le dribbler. Si vous allez trop vite, vous allez avoir un moins bon contrôle puisque vous vous précipitez. Et en plus, vous allez dribbler du vent. Vous allez rendre la balle. Voilà. Flick, c'est bien, mais quand on flippe quelqu'un, c'est mieux. La patience. Oh, mettre le chat, vous me faites rire. Ah, c'est terrible. C'est quoi le problème ici? Outre le fait que ton mate a eu la naïveté de croire que le mec allait réussir un flip reset en C1. Je veux dire, à part ça. Allô? Il y a un problème de micro. On t'entend plus. Salut Kadrim. Comment ça va la santé? Il fallait être face à la balle. Vous arrêtez pas de challenge de travers. Pourquoi?
Là, tu te grouilles de te positionner face à la balle. Et tu te mets devant. Comme ça, s'il rate, bah tu la bloques. Arrêtez de challenge de côté comme ça, c'est terrible. Nimp V2, elle le qui. Ouais. Oui, putain, nice spread jump en vrai. Je sais pas si c'est de la panique ou quoi, mais en tout cas c'est bien joué. Il fallait y aller, t'étais très en retard. Alors c'est dommage. Ouh, il a bien joué là. Putain. Incroyable. Hop là. Ouais, ça. Petit contrôle into. Nice, à Catherine. Merveilleux. Spirit l'aurait mise. Des images qui font mal. Des images terribles. ça va le backpost, bien. Bon, t'es un peu patient. Bon, en vrai, il a eu, c'était bizarre, mais backpost pas mal aussi. Hein. Il veut quoi, Spirit là? Ah, c'est terrible. Il faut me bosser ça là. Il faut me bosser ces tirs là. C'est honteux. Ça tombe bien. Lundi, on parlera power shot. T'as été emporté par ta vitesse. Précipitation. Panique. Stress. Overtime. Bonne sed. Ah, il est dur. Il est dur ce bounce. Sévère. Le pire, c'est qu'il a été patient. Coup dur, assez sévère. Bon, allez, très bien. Alors là, trop de panique. Hein. Fébrilité, panique, précipitation. Pour moi, c'est vraiment ce qui est le plus handicapant dans ton gameplay. Hein. Les tirs, trop faibles mécaniquement. Il faut me bosser ça et ça va aller. Un peu différent pour le coup de ce qu'on a vu en duo queue. C'est pas tout à fait les mêmes erreurs qu'on voit. Mais étrangement, je te trouve plus prudent par rapport à ton mate, mais plus fébrile, moins confiant et plus prudent en solo queue qu'en duo queue. C'est sans doute logique, mais ça provoque pas les mêmes erreurs. Voilà. Ouais. Ben, comme t'as vu sur le contrôle à la fin, je panique énormément quand je dois contrôler la balle pour aller faire un move solo sur le sol. Et je trouve que tu paniques beaucoup, pourquoi, énormément, mais... pas quand t'as la balle, tout le temps en fait. T'as un problème de... Enfin, là cette game, t'as beaucoup paniqué. Pas que quand t'as la balle, hein. En défense... Je pense que ça vient de ton manque d'observation. On a peur de quelque chose d'invisible. Si tu vois l'adversaire loin, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Tu paniques alors que tu es tout seul. Ça veut dire que tu joues sans savoir. Il faut vraiment que tu essaies de travailler
sur ta vision de jeu de tes adversaires et de tes mates. C'est vraiment ton axe d'amélioration principale. Ça va faire que tu seras plus serein en game, tu vas pouvoir évaluer plus calmement la distance nécessaire pour aller challenge, tu vas pouvoir faire plein de choses. Ok ? Ça va vraiment t'aider à snowball sur tous les aspects du jeu. Ok ? Allô ? Ok, ok. Ah, mec, oui. Est-ce que t'as des questions ? Non, à part, est-ce que cette vidéo va aller, est-ce que ce stream va aller sur YouTube ? J'en sais rien, on verra, peut-être, okay. Peut-être. Ok. Ouais, voilà, mais je pense que ouais. Bon, c'est bon. Voilà. Nice, merci. Allez, salut mec, passe une bonne soirée et puis merci. Entraîne-toi bien. Ouais, merci. Salut, ciao. Bye. Ouais. Bon, encore, vous voyez à la fin là, incroyable ça. Ok, bon bah c'était cool ou pas ? En vrai c'était marrant, on a bien rigolé. J'ai un peu trollé. On va jouer au jeu ? Est-ce qu'on irait pas jouer un petit peu avec le Bro Spirit ? Est-ce que c'est pas le moment d'aller faire un peu le déglingo avec Spirit ? Non, on va jouer. On va jouer, le coaching est terminé, mais on va jouer. Je rappelle, demain... J'ai eu l'autorisation de Gotaga, je lui ai demandé hier soir, et il est ok pour qu'on review une de ses vidéos YouTube en live. Et je vais un petit peu essayer de vous expliquer pourquoi il est champion, ce qui fait de bien, ce qui fait de pas bien. Qu'est-ce que vous pouvez apprendre du gameplay de Gotaga? Et on regardera un petit peu les commentaires pour expliquer pourquoi c'est n'importe quoi. Ok? Donc petit react de Gotaga, je pense demain. Voilà. Après que j'ai analysé Atlantid Wave, j'analyse Atlantid Wave à quelle heure demain ? Je suis avec Atlantid Wave jusqu'à 18h normalement. Ouais, on scrim contre Endpoint. Et le bro Seiko. Et du coup, vers 18h30, je vais lancer mon live. Et on regardera, donc 18h30, 19h, hein, le temps de me préparer. Et voilà. On va en parler. Non, c'est complètement officiel. On va en profiter pour regarder un petit peu Gotaga, parce qu'il y a plein de gens qui en parlent en ce moment et il y a pas mal de choses à apprendre et à comprendre en fait de ce que fait Gotaga. Et du coup, beaucoup de gens comprennent pas comment il a pu passer champion en regardant ses streams. Il y a plein d'éléments qui font qu'il a pu passer champion. Il y a des choses intéressantes à prendre et on va essayer de vous expliquer ça calmement, pourquoi Gotaga peut passer champion. Ok ? Donc ça sera demain, j'espère que ça va vous plaire. C'est un nouveau style, on fera sûrement un montage vidéo. Et on essaiera de voir si on peut pas faire un format YouTube. Voilà. Non, je sais pas s'il sera là. Alors là, il m'a pas demandé quand c'était, donc j'imagine que non. Mais non, je vais juste demander si ça le dérangeait pas que je regarde sa vidéo YouTube, parce que ça me paraissait normal de demander. Sinon c'est du vol de contenu pour moi. Donc même s'il y a du react, c'est de l'analyse. Et en fait, on va pas parler que de pourquoi il réussit. On va essayer aussi d'écouter ce qu'il dit et on va évaluer un petit peu si il analyse bien ce qu'il fait. Ça c'est important aussi. Parce que comme il y a beaucoup de gens qui le regardent, beaucoup de gens qui l'encensent, beaucoup de gens qui le critiquent, on va aussi regarder ce qu'il dit. Donc on va vraiment regarder son live, c'est pour ça que c'est un peu du react pédagogique, on va dire. Et on va voir s'il se trompe ou pas dans son analyse. Voilà. Est-ce qu'il comprend pourquoi est-ce qu'il prend des buts ? Est-ce que parfois il est un peu de mauvaise foi ? C'est normal, moi aussi je suis de mauvaise foi. Hein. Tout le monde est un peu de mauvaise foi. Voilà, on va regarder tout ça. Ça devrait être intéressant. Je prendrai évidemment une session qui s'est bien passée. Parce que c'est dans les bonnes sessions qu'on voit les limites d'un joueur. Hein, si on regarde un joueur alors que la veille il a pris une tôle, il s'est fait larguer par sa femme et il s'est fait virer de son job, il y a des grandes chances qu'il joue pas à son max. C'est pas hyper intéressant. On va prendre les games où il est monté C1 en solo queue. Faut que je trouve la vidéo d'ailleurs, si les modos veulent m'aider, ça m'arrange. Faut que je fasse ça ce soir. Et j'en trouverai une, on regardera un petit peu et on verra. Ok. Ça vous batte ou pas ? Moi, je pense que ça peut être intéressant. Comme ça, pour ceux qui sont... Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui analysent Gotaga et je suis rarement d'accord. Du coup, je vais donner mon avis. Mais on va essayer de faire un truc constructif, quoi. Ok ?
Ok, je vais pisser et on joue avec Spirit, c'est bon? Et ça part en déglinguerie. J'ai envie de jouer un peu, je vais pas jouer très longtemps, je vais jouer une heure je pense. C'est ce compte là hein. Je sais jamais, c'est le V3 non? Ouais ça. Et si le concept vous plaît, pourquoi pas le faire avec d'autres personnes, regarder ce qu'ils disent. Ça fait 5 jours que j'ai pas joué. Bon, on perd tout, c'est pas grave, je m'en fous. De toute façon, c'est mon V3. Allez, j'ai baissé. I don't need a savior. Changer le titre. Ok. Juste envie de taper des balles là. On va prendre un max de plaisir. On va jouer en GC3. Presque GC3. Pas tout à fait GC3. GC A et GC2. Ah, Idalias, il m'a téléporté la vidéo. Ah bah, tout le monde me l'a envoyé. Point, 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 point. Désolé, j'étais au ski, j'ai pas vu. Ils sont de ma gueule. Merde, j'ai oublié de faire la vidéo pour. Oh putain, j'ai oublié de faire un truc. Allô? Ouais, ça va? Ça va et toi? Bah écoute, ouais. Je joue beaucoup à Ark. Je construis des maisons en cassant des cailloux avec une hache. Je joue un peu en Rust, tout. C'est mieux. Faut jouer à Rust. Jamais joué à Rust. J'aime pas le PvP. Je joue au PvE avec des potes sur un serveur privé. Ok. Ouais. Ouais. On est parti. Bah allez. Donc toi t'es en vacances, c'est ça? Ah, il y en a qui ont de la chance. Hein. Ouais, ça prend des vacances. Un peu de repos, puis on se concentre sur d'autres projets en même temps. Ah ouais, c'est quoi? On va savoir. On peut en parler en privé si tu veux. Mais ah ok, ok, ça marche. On en parlera. Ok. On joue? Allez, on fait les déglingos, c'est parti. Hop. Alors, changement de scène. T'es en live? Yep. Eh bah écoutez, n'hésitez pas à aller voir Spirit ce soir en live. Yo l'équipe. Les deux soleils que j'ai fait les 15 derniers jours, c'était avec toi. Donc. Ah bah voilà. Et toi, comment se passe ton petit mois de juillet? Franchement, c'est plutôt chill. Je travaille pas énormément.
Bah ça va, je bosse bien sur les tutos là. Les tutos comment apprendre, les gens ils aiment bien en plus. Vu, ouais. Ça marche bien, donc ça je suis content. Les gens sont contents. Donc je vais continuer à bosser un peu là-dessus. Je stream raisonnablement. En termes de niveau, c'est moyen. J'ai hit le 1800 avec Chronomia hier. C'est beau ça. Voilà, mais bon. Le sans efforceur. Hein. Je dois avoir 150 games. Hein. C'est vraiment. T'sais, en fait, il faudrait que les saisons soient beaucoup plus longues pour que je monte plus. Tu vois. Ouais, c'est vraiment. Deux bah, fois par semaine. Je... Ah ouais, c'est quand? C'est en août, le 11, je crois, un peu dans le genre. On est en août là ou pas? Ah bah bon, il y a encore deux semaines là. 13 juillet, ouais. Oh bon, bientôt, il y a encore plus de 15 jours. Ah ouais, mais après il va y avoir tous les boostings. Ouais, ouais, ça va être chiant. Je dis bientôt parce que je joue plus. Donc ça fera à peu près 3 sessions à peu près jusqu'à la fin. Là. Ah ouais? Non, je vais reprendre, mais... Tu mes potes partent en vacances en août, du coup je profite là. Oh ouais. Je profite, petite vacances. Ok. Allez go. Tu vas prendre des vacances toi? Non. Moi je suis en vacances là. Regarde, j'ai stream 4 heures hier, là je vais stream 2 heures. C'est des vacances ça. Je travaille. Ouais, je travaille une heure, c'est une heure. C'est vrai que t'es pas chez toi toi aussi ça. Tu veux que j'aille faire dehors? Bah rien. Voilà. Non, je joue à Ark. Ce week-end là, j'ai pas stream pendant 2 jours. J'ai passé mes 2 jours entiers sur Ark. Waouh. C'était vraiment incroyable. La détermination quoi. T'as lâché Genshin ou quoi? Non, non, un peu moins là en ce moment, j'attends la 2.0. J'ai fini de monter mon Diluc. PVE, j'ai un serveur privé avec, avec Bolet et Paradise évidemment. Bolet. Ah bah toujours. Hein. Petit Paradise. Alors, du coup, ils attendent des double resets là, sort. Ouais. Ouais. Joue en mode. Bah d'habitude, oui, mais là on est en vanilla. On a décidé de faire Crystal Island en vanilla. En fait, on s'impose plein de règles pour modifier le jeu. En fait, on a pas de TAM, des Argentavis ou des trucs comme ça, quoi. C'est trop fort. Go faire du freestyle. Ouais, alors un petit peu de temps en temps, c'est bien le freestyle. Oula. Allez, plaisir. Oh, j'ai envie de m'amuser là. Oh, hier c'était frustrant, on s'est fait sniper. Là, ouais. Je m'en fous. J'ai râlé hier. On va râler un jour sur deux. Oh, oula, ça touche pas le plafond. Décevant cette challenge là. Game de chauffe. Je me suis pas du tout. J'ai pas du tout joué du coup. Bah, moi non plus, du coup, depuis le 7. Oh, c'est du plaisir ça. En vrai, ça va. J'ai touché 2-3 balles. En freeplay, avant de venir. Voilà. Ok. Boum. Oh là là, la crossbar. Sam. Ça commence déjà. Et la crossbar de chauffe, évidemment. Oh, t'es tout seul. Oh, il est dans la sauce. Oh non, il a... C'était à double de chauffe. J'ai pas de boost. J'ai pas le... Yes. Je traite le mid au cas où il fait la passe. C'est bon. On se boost. Je sais pas ce qu'il fait. What? Yes. Ah, il a réussi à gagner le duel. Il va prendre le boost du coup. Oh, il me l'enlève. Filitu. Vas-y, tire sur moi. C'est moi, c'était l'orange. Trash talk de chauffe. Ouais, pff, il va m'allumer là. T'as le time. T'as, pourquoi t'as dit ça? Comment ça j'ai le time? Je vais me faire allumer la rondelle là. T'as le time. 120. Je suis à R56 sur Genshin. J'ai beaucoup joué. Et je suis une gigabaleine.
Mais là, plus trop, j'ai... Little K. Vas-y, pas de boost, moi. Oh, je pas... Waouh, ok. Je pensais... Faire, je pensais pas qu'il lirait vraiment. Je pensais que c'était un fake challenge, là. J'ai pris mon temps en mode, jamais il saute là-dessus, là, si je le bats, il est mort. Bah non, wow. Bien joué. Okay. Tu prends le stream du arc? Je pense pas, non, c'est un peu mon petit... Aïe. J'en ai déjà streamé du arc, c'était rigolo. Il y avait du monde en plus, hein. Je me souviens, on avait été host à je sais pas quelle heure par Skyheart. C'était trop marrant. Oh, c'est au moment. Ah mais non, il y a un méchant. J'ai pas de boost pour marquer ça. Oh, elle est dedans. Ouais, est bien joué. Open. Il colle du tout droit. C'est bien joué. Game de chauffe. Il... Après 7 jours là. Ah ouais, alors moi, alors là, je tryhard pas. Hein. Là, c'est zéro tryhard. Hein. Ah, oh, j'ai juste envie de mettre des beaux buts. Peut-être un ou deux pinches là. Des petits clips. Non, 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 par contre, freestyle pas par contre. On essaie de gagner quand même, même si on n'y arrive pas. Ah, dommage. Aïe! Ce coup dur. T'as rien vu, t'as rien vu. Allez, next. Allez, Jinxed, un peu, je pense, cette game. Bon, tu veux pas la laisser pour que je me chauffe un peu? Ah, si, si tu veux. Merci Squirrel pour le cinquième mois. Merci mon frérot. Niveau 3 ? Mais non. Mais quel homme. Il y a vraiment des gens bien sur cette terre. Tiens. Tu veux que je suis... Oh non, dommage. Oh waouh. Je peux pas. J'ai pas de vitesse initiale, elle est trop rapide. Ah dommage. Ah double. Oh, je sais une passe open. Ok, j'ai. Vas-y. Ouais, je sais pas, il faudrait que tu la touches pas. Attention, ouais. On ne pré-jump pas, il va repasser dans l'axe, ouais. Moi, je pensais qu'il allait tester la double tap en fait. Oh, tap, vas-y. Ouais. La grosse arrière, je sais pas. On va mieux voir le terrain. Ah, tu veux que je mette ma cam en bas à gauche? Ça? Bon, ça change rien, de toute façon. Attends. Hop. Je la mets genre là. Comme ça, là? Non, ça fait moche, là. C'est bien là. Hop. Là. Merci d'être en pompe. Un stream squad, on peut pas, il faut être partenaire. Spirit est pas encore partenaire. Allez le follow d'ailleurs, allez l'aider. Oh, il est en vacances là. Ouais. Les vacances. En vrai, ça fait un peu du bien. Ouais. De décompresser. De sortir.
pas vu, putain. Tiens, non. Ouais. Oh, je pense pas qu'il allait jump. Je peux l'avoir tellement 100 fois avant lui. Sortir, quelle idée, ça va pas, non? Vas-y. Ah, tu vas plus au kick-off? Changement de strat. Changement de strat. Allons-y, testons la nouvelle strat. Ouais, je suis coincé. Il y en a un en haut, en bas. Tranquille. Quel petit. C'est au nombre de vues en moyenne, fallait. Je ne pas. Faut 75 viewers en moyenne, je crois, entre les gens. Oh, c'est beau. Dommage. Oh, il l'a contre. Ouais. Bon, par contre, Spirit. Oui, j'arrive, je me réveille. Encore me une réveille. Game et moi j'arrête, hein, par contre. Parce que là, c'est pas intéressant. Ah, c'est vrai que je joue au kick-off. Genre, c'est. Oh, on va venir, ça fait 7 jours, j'ai pas joué. Moi, je vais sur Arc, hein, clairement. Genre... Oh, wow. Oh non, je vais le mettre là dedans. Au pire, c'est pas grave, hein, mais. Ouais. Faut me respecter là. C'est pas que j'aime pas prendre des 8-0. Ok, mais. Faut pas abandonner à 3-0 à ce moment-là. Bah ouais, mais ce qu'il y a, c'est que ça fait 1 minute 30 que le match a commencé, quoi. Donc normalement, ça fait au moins 8-0. Normalement, ça fait 10-0. Normalement. Ouais, vu qu'on a un mental d'acier, on monte à 5-4. Regarde, je te prouve que là, il y a 4-1 déjà. Oh, l'enflure. Il l'enlève de la pleine lucarne. Démo. Tu retouches. Ok. Ça passe. C'est hors de jeu. Ouais, j'ai back S mode, ouais. Ouais, je suis pensé le blab, ouais. Je l'ai bien hit, j'étais rapide, mais c'est pas fait une bonne touch. Ouais. Oh, j'ai mal fait mon flick de match. Ouais. Nice. C'est chaud. Oh, elle est pas partie là, le seum. Merci et Shoma pour le follow. Merci les mecs. Bien sûr qu'il y a du bon son, mec. J'y vais. J'y vais. Nice. Voilà. Fallait juste se chauffer, c'est tout. Fallait que je gueule, quoi. C'est ça, fallait que tu menaces. Voilà, et voilà, Razzweltor toxique. Oh putain. Oh là là. Ça va partir en toute longueur, là. Spirit obligé de tryhard sous la menace de son mate.
C'est quoi le problème qu'ils vont faire? Non, no way. Il l'a tiré tellement fort. Et voilà, je suis sous la pression maintenant. C'est faux. Bon, vas-y, vas-y, il a bien joué. Allez. Hop là, ça c'est free win. Hop, le fake. Dommage. Aïe. Mes fesses. Aïe. Je me fais victim bolos. Oh. Oh. Oh, je... Oh, il manque 5 de boost. Qu'est-ce que c'était un move de génie. Ok, j'ai... Contre. J'ai pas le rebondeur. Bon, j'étais parti en couille de toute façon. Oh, j'ai essayé de t'envoyer le bonheur, mais c'était compliqué. Tu m'as envoyé XTR. Non, mais vas-y. Oh non! La tristesse. GG. Pro, vous dites GG, c'est pas cool? Ah, Pro Squirrel. Je vais vous foutre de ma gueule. Faites gaffe à vous. Hein. C'est jamais fini. Une petite passe là? Envole-toi, Spirit. Envole-toi, Razmet. Je peux pas. Attends. Je suis hors portée. Le succès est encore possible! Ah non. Oh, alors peut-être. Non, mais. Il gâche tout, lui, putain. Allez, dernière chance. Allez, dernière chance. Je vais te prouver que. Et quoi qu'il se passe, encore moins de games. Il y a quand même des gens qui regardent. Mais là, c'est vrai que bon. On se fait défoncer. Ouais, c'est vrai que bon. Je vais arrêter de faire des pauses. Après, c'est un stream moins de 18, quoi. Donc ça passe, quoi. Mais bon. Le merci petit moins 150 points, là, sur le compte, ça fait chier. Après, ça veut dire qu'on gagnera tout la prochaine fois, quoi. Mais bon. Sur ce compte-là? On avait gagné, je sais pas combien de points la dernière fois. Ouais, justement, c'est bien, on continue. Ça, on est GC2, quoi. J'ai voulu t'impressionner. Ah, il m'a bump. Il a raté son move et en backant, il m'a bump. La double peine. Oh, ça aurait été beau. Fake. Putain. Oh putain. Oh, je peux pas. Hein. T'as le temps. Non mais qu'est-ce qu'il fait le bug? Tract. C'est non. Il est trop nul. 1v1. Ton moment. Non mais j'ai envie de mourir. Alors peut-être. Il a la reset. Oh. Achoum. On était pas loin. C'est qu'un but. Il faut pas désespérer à Smeltor. Yo Suizox. Mais t'es chaud aujourd'hui. Ouais, je suis trop fort là. Là j'ai un niveau que j'ai jamais eu depuis... Depuis que j'étais champion 2, je crois. Quelqu'un qui m'a dit que j'étais chaud. Hein, c'est... Oh, il m'a pris tous les boosts. Oh non, mais non. Ah, si tu loupes, j'ai 0. C'est pas grave. À gauche. Mec. À gauche. Ah, il m'a pris le boost. Non, on me fait un effort. Oh. T'as envie qu'on arrête de jouer en fait. J'ai tenté la double tap de l'enfer, hein, si tu veux que je te dise, il faut bien essayer des trucs là. Oh oui! Mais quel homme! Je suis trop fort en fait. Regarde, hop, petit fake, hop, on remonte sur le mur, hop, boom zidish, hop là! Bien joué mec.
Rattle King. Hop, on fake deux. Hop, on prend le boost. Hop. Oh. Moi je m'avance. Je m'avance naïvement en pensant qu'il va réussir son arienne. Mais non, mais elle était trop haute. Je l'avais pas remarqué qu'il avait tiré en l'air. Elle était trop haute. Ok, ok, ok. Non, mais trop genre en la verticale. T'arrêtes de te foutre de ma gueule. Fake. Mais il a cru que c'était qui lui? Il a cru que c'était Spirit. C'est un fou. Oh, ah, y'a faute. Petite caisse. Bruh. Non. Eh bah si. Aïe. Je suis parti prendre du boost. J'avais zéro. Spirit, il a fait un Spirit. Quoi? J'ai zéro boost. Tu veux que j'attende au cas où tu rates? Sous le boost à zéro dans le but là? C'est ça que je dois faire? T'as la balle, tu réussis ton clear, je prends le boost, je transis hein. Non? On regarde l'action ralenti. Ouais, j'ai eu toute confiance en ce dégagement. J'avais surtout pas le choix en fait. Hop là. But, bien joué. Spirit joue CBS, ouais, il est vice-champion d'Europe là. C'est lui. Les shots. Merci. Ça fait plaisir. La balle. Coucou. Mais qu'est-ce que tu fais? Je peux pas judge. Non mais. Prend du boost. Qu'est-ce qu'il fait? Non. Yes. Pas de boost. Pas de boost, c'est pas cool. Dommage. Non! 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 Hop, merci. Oh. Laisse-moi le ballon! Pourquoi il est dans mes pattes, lui? Pourquoi vous? Ça fait un dégagement. Qu'est-ce que c'est que ça? J'étais là en mode, tu vas me faire la passe ou pas? De mon point de vue, c'était incroyable. Je sais pas ce qui s'est passé. Oh non! Oh, non, non, non! Non, mais il se passe des trucs bizarres dans cette game, je suis pas sérieux. Alors peut-être? Non, il l'a. Il s'est touché le ballon. Oh waouh, ça va tellement que ça fait 7 jours que j'ai pas joué. C'est horrible, je suis éclaté au sol. Mais je suis trop nul! Ça rend fou! J'ai pu faire un dribble, bordel! Oh non, j'ai pas de boost. Ah, je l'ai cadré, mais ça lui a fait une passe. J'ai envie de mourir. J'ai pu faire un dribble, je vais péter un câble. Plus jamais je prends des vacances, c'est fini en fait. Spirit fait du 1v2? Ah putain! Nice! Ah ouais! Ah ouais! C'est vraiment pas une sous-merde alors. Pas très fort, Asvelter. Hein. Oh, pas fort quoi! J'ai my man, j'ai mal joué. Non mais c'est ta faute là. Je suis vraiment désolé Spirit, my bad. Non vas-y, vas-y go, en vrai je m'amuse bien. C'est bon ouais. Oh putain. C'est bon, j'ai changé d'état d'esprit. Non mais... J'ai accepté... J'ai pas réussi le hard dribble. J'ai accepté là le streak de 8 là. C'est bon, ça y est, c'est bon. Je l'ai, ça y est, je l'ai intégré, on peut continuer, c'est parti. Let's go. Faut savoir quand s'arrêter. Ça va. C'est mon troisième on compte. On a fait trois games. Je veux dire qu'avec mon main compte, fin de la première game, j'étais déjà en mode « Non, mais on peut aller faire autre chose, genre du panier. » Non, mais Arc, c'est bien. Tu connais Arc?
Mec, je vais te le faire découvrir en live, tu vas voir, c'est trop bien. Vas-y, Swissbox. Yes, Kyrix. Merci, Zerti, pour le follow. Trash, je suis mort. J'ai jamais été aussi naze de ma vie depuis très longtemps. Et je joue pas très bien non plus. Très longtemps. Je joue vraiment pas très bien non plus. Bah c'est souvent ça snowball, c'est toujours pareil quand ton mate. C'est toujours pareil quand ton mate joue bien, ça te pousse vers le haut et inversement. Ah non, mais même si tu joues parfaitement bien, si j'arrive pas à faire une aériole, je pourrais pas bien jouer. Hein. Ça va être chaud, ça va être chaud. Après voilà, c'est pas non plus. Je sais pas, c'est juste les mécaniques qui doivent revenir, mais. Non mais si même ça je fais de la merde, c'est que y a un problème là. Ma manette elle est cassée. Je back. Qu'est-ce qui se passe là? Je vais péter le fiac. Mid. Désolé, j'ai tenté. Non. J'ai vu une. Oh, il va me péter la gueule. Wow. What? Ok, sur moi. J'ai plus de boost par contre. Ouais, il triche. Je back. Ouais, j'ai. Pour toi, ça. Oh, devant toi. Mais lâche le ballon, putain de toutou. Jamais de la vie doit aller sur le ballon. Regarde. En tant que coach, c'est un gros enculé, on est d'accord. Mais il a du backup et il te voit galérer dans le mauvais sens. Évidemment qu'il va sur la balle. Pourquoi il irait pas? Il a quelqu'un derrière lui. Non, c'est toi qui dois faire gaffe, t'es des défenseurs. Oh putain, je fais boost. Plus jamais là, je prends des vacances. Non mais, oh putain de merde. Je me fais soulever des grands morts. Oh putain. Je. Oh. Pourquoi j'ai arrêté de jouer au jeu? Je sais pas ce que je dois faire. Je suis perdu. Ah, quand le SSL, on y va là. Là, on y est bientôt. Là. Non, mais je joue clavier souris en fait. Pour ça. Hop. Ça part au four. C'est but. Salut, Shikaku. T'as joué contre Kelop? Oh oui! Mais beaucoup, beaucoup moins maintenant. Avant, ouais, moins maintenant. Parce qu'il monte trop vite, trop. Moi, je dodge les débuts de saison. Et comme après, il monte trop pour moi, bah. Quand je le jouais, c'était en début de saison avant. Quand je te regardais les débuts de saison. Il touche là? Oh mon dieu. Le caméraman. Oh, elle drop pas. Bon bah. Oh non. Ça aurait été beau. Je pensais vraiment qu'elle dropait, j'ai mal joué. Mais là, je suis dans un état là. Vas-y, je me concentre. Allez, moi aussi. On gagne cette game. Presque. Non, non. Non, pas de karma et on prend un but maintenant. Non, non. On a double Covid. Regarde. Qu'est-ce que tu fais au plafond là? Bah, regarde. Oh. J'ai vu. T'es pas loin. Ah, et puis c'est ce boost là que t'as pris. Putain, il est. Ouais, j'ai dû ralentir parce que le boost était pas là. Hop là, petit pinch. C'est que le geste là. Hop là. C'est bon, je commence à reprendre du poil de la bête. Oh putain. Ouais, c'était parfaitement réalisé. Un peu rapide, mais. C'est pas but. Oh, c'est mon moment. De toute façon, il arrive. J'ai eu un bug de reset. Je te jure, regarde mon stream, j'ai eu un bug de reset. Allez! Oui. T'as crié pourquoi exactement? Ah, pourquoi c'était open? T'as crié pourquoi exactement? Parce que c'était open! Oh putain. Non mais lâche le ballon. Oh. C'était sûr. Oh. Non. C'est bon. Oh. Je l'ai vu à 10 km qu'il allait louper celle-là. Regarde-le, il voulait le boost et hop. Mais non, il a fait follow bot. Salut Romain. Ah bah salut à tous les bots. Dommage ça. Ah, préparez le sub only, ça va arriver chez moi. Quel dommage que maintenant il y a un truc bien que Twitch ont créé et qu'on peut les enlever en une seconde et demie.
Bah ça c'est vraiment le truc qui sert vraiment plus à rien. Ouais c'est clair, il faut le bot. Agressif comme challenge. Oh là là, open. Ouf, je l'ai loupé, putain. Oh, je suis trop deg. Oh, j'ai. Nya. J'ai failli pleurer. Qu'est-ce que tu fais? À l'aide. J'ai fait de boost. Non, j'ai zéro boost. Mais vas-y, nique sa mère. Hey, arrête là, le bordel. Oh non. Tu joues... Et la prochaine fois, tu joues avec moi, préviens-moi de 3 jours avant. Oh non, va te faire enculer, putain. Il m'empêche de marquer, il m'empêche de défendre, il me starve ayant la balle. 2v1 0 boost. Welcome to hell. Achou. Oh putain. Oh c'est dur. Pas comme moi. J'arrive plus. C'est bien moi. L'abandon. Ça... Mais à quoi bon tryhard? À quoi bon être bon? Méchant, c'est gagné sans nul. J'ai tenté le petit bump là. Ok, vas-y, je me concentre. Vas-y, donne tout. Regarde ça. 20 secondes. Hop, pinch. Passe. Mais comment t'as pu de ça, putain de speed ça? T'es pas derrière. C'est nul, j'espère. Passe. Ouais. Comment ça pute à out speed ça? Ta gueule, il a le contrôle du ballon. Il te drip sans perdre le contrôle de la balle. Il est sa coolix. Non, tu peux l'enlever, Gogeta, enlève-le, hein, c'est au cas où, faut préparer. Bon, on arrête. On va jouer à Arc. Non, une dernière. Ok, la dernière. Allez. Ah, cette petite lost streak de 5 là, ça fait plaisir. Hein. C'est pour le moral. Ouais, il faut j'étais, avoir un bon j'étais, headset. J'étais étrangement heureux aujourd'hui. Merci Spirit. Il faut revenir à la normale. Bah, je voilà. Suis ton bon karma. Ouais, j'étais de bonne humeur aujourd'hui. Merci. Tu stream le arc. Oh non. Je me sens bien. Oh, je me sens bien là. Je peux te dire que cette game, je vais mettre un clip. Ah ouais. Je te le dis. Avant ou après qu'on ait pris 5 buts? Ta gueule. Écoute. Regarde déjà, on a un kill of goal. Vas-y, je te follow de très près. Un peu trop de confiance pour moi là. Oh, petite passe là. On sera peut-être après les 5 buts du coup. Ah ouais, c'est pas de ma faute. Non. J'ai enfin, c'est pas de la chaîne non plus en vrai. Bah, mais... en vrai, si, j'ai pas mal joué, mais j'avais oublié cette option qui vise le joueur et pas la balle. Non, c'est 100% ma faute là. Je voulais le grand pont et aller marquer après, c'était le plan. Bah oui, il fait ce qu'il veut de moi. Ok, nice ta follow. Hop, c'est lose. Il est resté en haut, bien joué. Il est dans la sauce. Oh, il a bien joué en vrai. Good luck, have fun. Même plus. Oh, j'ai failli. Ça aurait été beau, une masterclass. J'ai réussi à un tout petit peu bouger la balle. Non. Oh, ça a failli être le meilleur joueur du monde, non? Laisse cette balle. Putain. J'ai essayé de partir, j'avais plus de boost. Du boost, oui. Oh, le pitch! Il va me la rendre. Bon toutou. Ah. Tu l'avais loupé? Ah. Non, je t'ai tapé toi, je crois. Merci Junior pour le follow. Oh, j'ai la flemme d'enlever tous ces follows là. Je
Je sais même pas s'il y en a beaucoup. Hein. Il y aura un best-of de cette session. Bah ouais, ça, ça va être rapide. Je mets l'intro Lolga et fin de la vidéo. Vas-y, j'y arrive plus, j'y arrive. Je n'ai pas la force. Là. Non mais je suis en 1v2 aussi. Vous voulez pas vous focus là c'est pas mal Arc hein. C'est l'été hein, faut prendre des vacances aussi. Hein. Exactement. Bon pas trop sinon on perd tout le niveau mais. Hop il fake. Oh dommage, je lui ai pété les reins. Non s'il te plaît. Non. J'avais pas de boost. J'ai essayé de pré-flip mais. Achoum, achoum, achoum. Oh non j'ai pas cru. Oh putain. Ça fait longtemps que ça n'avait pas marché en plus. J'ai pas de boost, je suis armé mid. Boum. Oh, terrible. Dommage, on aurait pu mettre un beau clip. Mais c'est moi qui me suis fait clipper. Allez, ça va le faire, t'inquiète. Deux buts, ça se met. Faut juste qu'il fasse deux grosses erreurs. On peut aussi accessoirement bien jouer deux fois. On notera que c'est pas du tout dans ses... Si on étudie notre cas là depuis tout à l'heure, faut qu'il fasse deux grosses fautes. Les free points quoi. Mais qu'est-ce que tu fais pas... Oh, il m'a bump, j'ai pas de boost. Je suis perdu par le rebond. Oh. Heureusement qu'ils sont nuls aussi. Hein. C'est but. J'ai tenté. J'ai vu. J'ai laissé. Bon, on en est. Je vois plus que le double, oh, le air dribble, le double touch, je fais prise pour me sauver. Hein. À droite? Ah, il était trop près. Alors peut-être? C'est open! Dommage. Oh, attention. Putain. Bid, bid. Merci. Ouais, ouais, mais j'ai pas de boost. De rien. Mid, mid, mid. Oh. Merci. Je peux pas, je peux pas. Non, je pouvais pas. T'étais du troll. Ah ouais. Petit bâtard. Tu me mets sous la gueule de mes calls. Non mais vas-y. On fait rien par des power shots. Non mais. Oh, j'ai envie de me tuer. C'est non le SSL quand on est pas habitué. Oh je te jure. Je vais péter un câble. C'est horrible de pas savoir jouer au jeu. Des putains de moves de base qu'on sait faire facile, on les loupe. Yes là, mais c'est honteux. Oh, mais c'est honteux que j'arrive à mettre ça et que j'arrive pas à tirer dans un putain de goal quoi. Alors on aura mis un clip. Belle passe moi je dis. On oublie toujours la passe hein. Oh putain j'ai envie de mourir. Il fake, fake, fake. Je suis opposé. Elle a touché le plafond! C'est pas ma faute! Une dernière? Non, 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 Arc là. Ça va, on a perdu 40 points là. C'est bon. On est en GC2. Oh putain, j'ai une haine là. Je sais plus jouer au jeu.
Je suis sûr, on fait un 20, tu mets 50-0 là. Mais même en free play, j'ai pu faire mes moves, c'est un truc de malade. Bon, c'est... j'arrête ma carrière Rocket League. Non mais c'est les vacances mec, c'est les vacances. Mais c'est... j'ai jamais perdu autant de level vraiment. En même temps, j'ai jamais fait de pause de 7 jours mais... Oh pauvre, je te mets dans la sauce en plus. Non du tout. Bon, en vrai, c'est normal. J'aurais été dans la sauce si je jouais encore tous les jours et oui, que j'avais ce niveau-là. Là, non, non, en vrai, j'ai pas bien joué non plus, clairement. C'était terrible. Bon, écoute, on a essayé. Hein. Mais c'était sans une grande motivation dès le départ. T'as vu, je t'ai dit au début, vite fait, on joue. Voilà. Ouais, donc, bon, écoutez, Streamark. Non. Arc, c'est les vacances. On est en plein été. Là, regardez, faut que j'allume la clim tout le temps. Ça veut dire qu'il faut pas trop streamer. Je vais aller jouer avec mes copains. Et demain, live. Demain, le live Gotaga. On analyse Gotaga, là. Donc, vers 19h30, 20h. OK ? Incest, je suis désolé. Vous savez quoi ? On en fera des streams Arc, si vous voulez. Mais là, c'est pas prévu. J'ai prévu un truc avec mes potes ce soir. Je prévoirai un stream Arc où on préparera à l'avance des choses. On fera un truc. OK, on fait ça ? Je vous promets qu'on fera un stream Arc et il sera prévu à l'avance. Ok. Bon, reste désolé pour ça. Désolé, de rien du tout, mec. Je reviendrai en force. Oui, tu me carrieras la prochaine fois. C'était pas ton jour. C'est les vacances. Attends, c'est bon. Déjà, il y avait pas de motivation dès le départ. C'est clair. C'était sûr. Allez, passe une bonne soirée, mec. Amuse-toi, repose-toi bien. T'es en vacances, oublie pas ça. Et puis, on se fait une petite session à l'occasion, mais chill, quoi. Ouais, t'inquiète. Voilà, freestyle. Vas-y, des bisous, vas-y. Salut, ciao, ciao, mec. Bon, c'était court, non, il faut arrêter. C'était rigolo, mais bon, il faut pas non plus perdre 100 points sur les comptes, c'est casse-couille. Après, c'est relou. En vrai, 2h25 de live pour un type en vacances. Ça va. Vidéo demain, coaching live GC2, il était super. Si vous aimez un petit peu Rocket League théorique, un peu, on se... Hein. Hop. Si vous aimez bien que je passe 25 minutes sur une action de 3 secondes, c'est demain sur YouTube, Coaching Live GC2, où c'était plutôt intéressant, j'ai trouvé, j'ai bien aimé de le faire en tout cas. Donc allez voir si vous voulez voir un petit peu comment je coach à plus haut niveau, parce que vous avez l'habitude de me voir coacher du C1, C2, C3, là c'est du GC2, donc si ça vous intéresse, c'est un petit peu plus, voilà. Peut-être ça ne vous sera pas forcément très utile si vous êtes en dessous de GC1, mais ça peut vous intéresser quand même, voilà, si vous voulez regarder, si vous avez raté ce truc. C'était pas mal, voilà. Sur ce, je vais vous envoyer chez mon gigapote. On vous envoie... Est-ce qu'il est encore en live, l'autre con, là? Attendez. Bah pas du tout. Il est pas en live. Quelle tristesse. Tant pis. Du coup, je vous envoie chez... Bah le Gigabro. Est-ce que vous connaissez Life is Cool? Life is Cool qui est trop sympa. C'est l'été. L'été, il faut le passer avec Life is Cool. Voilà. Il faut faire ça. Co-caster chez Rocket Baguette, évidemment, quelqu'un de super sympa. GC1-2 sur Rocket League. Allez lui faire un petit coucou. Il fait des game viewers, je crois. Donc, allez discuter avec lui. Et allez prendre un maximum de plaisir. Moi, je vous souhaite une bonne soirée. À demain pour le live de tous les dangers. Demain, analyse Gotaga après que j'ai suivi attentivement Scream. Salut, passez une bonne soirée. Amusez-vous bien, soyez bienveillants. Ciao.